Et mais si, Kélé, enfin, on est là, bien entendu. Qu'est-ce que... Ah. Bonsoir. Salut tout le monde. Allez, comment ça va? Eh ben, on est là avec Aderwen pour continuer notre petit texte, tout simplement, sur Star Wars. Est-ce que t'as confiance qu'on va avancer loin, mon petit Adé? Mais oui, bien sûr. Level 30. Level 30, au moins, minimum. Au moins, objectif, au moins. Level 30. On n'a pas fini. Ouais, on n'est pas sorti, c'est clair. Mais non, c'est bon, Light il va pas être avec nous parce qu'il va pas être là longtemps, il doit partir, mais c'est pas grave, j'ai Mako, elle va nous heal. Exactement. Oui, oui, tout sera mieux, tu vois, je veux dire, voilà. Oh. Ça peut pas être pire. Hein. Pas plus opti. C'est vrai que ce serait compliqué. Oh, on est méchants. On est méchants, mais méchants. Viens, Les absents, toujours tort. Narsada, normalement. Ouais, je suis. On avait pas terminé Marshad. Ah non, on avait pas du tout terminé. Il y avait quelques quêtes à rendre, mais de toute façon, c'est 24, donc. Et bah, parfait. Hop. Oh bah, on dit salut Kélé, on dit salut Light, comment ça va? La loco aussi est là. Oh, c'est ça. Oh. Allez, bah, on sort de là. Et c'est vrai qu'en plus avec les temps de chargement de Light, on s'en serait pas sorti. Hein. Bah oui. Salut Airfool, bienvenue. Hop, je sors de mon vaisseau. Je suis sur Narshada normalement. Regarde Light, un chargement, normalement ça va à cette vitesse là, tu vois. C'est pas 4 minutes de chargement. Oh, petite faune gentille. Bonsoir Yearful. Pas bien notre Yearful national. Ça est la question. Bon, alors par contre, je disais, le chargement c'est rapide, mais Narshada, c'est vrai que c'est toujours lent. Ouais. Ouais, vu toutes les lumières, tous les effets de lumière, machin, actif. Ça bouge beaucoup. Les casinos et tout. Ouais. Alors, on va commencer déjà en se taguant, puisqu'on va tenter donc la nouvelle. La nouvelle ZL. Et vu qu'on est deux DPS en fait, vaudrait mieux commencer à taguer vite. Ouais. Parce que. Bah, du coup, je vais enlever Atis, puisque Atis, on l'a déjà faite. Faire rapidement de rien. Ouais. Je vais te partager la quête, je dois avoir la quête normalement. Ah! Je crois que je l'ai automatiquement. Non, celle-là, je l'ai pas eu automatiquement, il a fallu que j'aille la prendre. Ah, d'accord. Ah, parce que t'es allé rendre en fait l'ancienne. J'avais pas rendu les quêtes, donc j'ai été rendre toutes les quêtes. Alors, tac tac tac. Pillard Mandalorien. Partager. Merci. Celle-là, je sais pas si tu. Celle-là aussi. Confiné 102, autant en profiter. Hein, quel est tes tanks? Tank, mon petit Kélé. Quel level es-tu? Il me wisp in game pour me dire est-ce que vous prendriez un Rava tout pourri. Bah, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais faudrait que ce soit un tank. Si je sortais du bon côté, ça irait? Ah, oui, un Rava tank. Oui, moi aussi je me suis planté. Parce qu'en fait, je suis retourné à la flotte au dernier moment pour dépenser un petit peu mes points parce que j'étais au max, j'étais à 100 sur 100, donc j'étais acheté quelques. Moi, il me reste plus qu'une de distinction planétaire, donc beaucoup plus riche que moi en distinction. Alors, oula, où est-ce qu'on doit aller? Il y a beaucoup de trucs, droïde mortel, machin, le jeu. On va plutôt regarder, oui, la quête de classe, le grand jeu. Moi aussi, je dois rejoindre Galeren. C'est bien, c'est que mes quêtes de classe, tu les connais déjà en fait. Eh oui. Alors. Donc moi, c'est en bas à gauche. Pourquoi je la vois pas, c'est moi. Pas en bas à gauche. Pourquoi je la vois pas, ma quête de classe? Je la vois pas non plus en fait. Ma quoi découverte. Ah, déjà terminé.
Il est temps de reprendre la chasse. Les Dolons, rejoindre Guylaine dans la salle des durs à cuire de la cantina Haricot de Boule sur la promenade. Sur la promenade. La promenade Bah, promenade inférieure. inférieure, Bah, promenade inférieure, écoute, on va y aller. C'est au milieu, hein, c'est au centre. Oui, mais si t'es DPS, du coup, ça va pas le faire, mon petit Kélé. Parce qu'à 3 DPS en ZL, ça ne marche point. Ça va être dur de taguer. T'as juste le temps d'aller faire ta spétanque et puis c'est bon. Non, mais malheureusement, apparemment, il a mis Rava, mais ensuite il m'a dit Maro, donc. Ah. Maro, malheureusement, ça peut pas être tank. Et si je faisais venir la petite Mako? Ah, mais Ishiloum, j'ai pas tagué. J'ai Kelly, j'ai pas tagué en heal. Malade. Du coup, faut que j'aille où? D'accord, pourquoi on est arrivé? Ah non, c'était le chargement. Ah oui, là-bas, Cantina. dans la cantina. Ouais. Mais on était à la cantina avant de déco, t'étais pas allé le voir? Oh là là. Bah, il faut croire que non. Ah Pourtant, si, je suis persuadé que j'avais été, mais. Alors, Cantina, c'est aussitôt à gauche, normalement. voilà, c'est à gauche. Parce que comme c'est vrai qu'elle est cachée en fait cette entrée de la Ouais. cantina. Cantina de la pente glissante. Ouais, elle porte bien son nom. Et là c'est Ok, juste. juste là. Et là je crois que tu vas devoir massacrer. Ah non, même pas en fait. Ah bah oui, j'ai pas vu. Bah Irful, oui, nous ça va très très bien, écoute. Alors c'est bon. La forme. Y a plus de problème. Bon, à part que mes propriétaires veulent pas me filer la fibre. Mais à part ça, ça va. Enfin, mon propriétaire. En fait, je sais même pas qui est mon propriétaire. C'est quand même magnifique ça. Sur le point de payer si j'ai plus Ah, mais personne dans l'immeuble est au courant. Il y en a qui pensent que c'est une société espagnole, d'autres qui disent que c'est un truc Une des deux d'assurance. personnes Enfin qu'on aura appelée, je déteste. Il va falloir t'y faire, bon. Oh putain, je suis un Jumbo, ah tank. oui, carrément. Je viens de perdre 2 x 32 d'alignement avec Mako. Ah ouais, d'accord. Ok, Ah, elle est si pas ça te fait contente. vraiment plaisir. Tu peux faire Ok. échapper et refaire la conversation. Laura, je te revaudrai ça. Et je tiendrai ma promesse si jamais. Oh, c'est bon. Je viens de Ok, regagner donc 43 là. dossier réglé. Il s'est un Retour peu à laissé aller, Sigmar. notre ami Twi'lek là. Comme ma barre, il aime bien les cookies, quoi. Ça implique que je tue beaucoup de monde? Comme d'habitude, imaginez. Et annuler, c'est compliqué, mais avant, dis que. Je le tuerai alors. Donc, J'aurais c'est dû lui une parler grande de toi discussion juste apparemment avant sur le qu'on fasse général. ça. Ok, choisir récompense, distinction, déblindage ou stockage qualité supérieure simple. Qu'est-ce que, ouais, je prends ma distinction habituelle. Ok, attaquer les communications de la nébuleuse. Faut le dire avec une voix un peu mystérieuse. De la Nébuleuse. nébuleuse. Vous quittez une zone de repos. Ah, je vais laisser. Hein. Je vois en fait qu'il faudrait qu'il y ait une option autour de soi et une zone de repos, tu vois. Ça serait bien. Ouais. Parfait, c'est au petit. Tac, tac. Je sais même pas où il faut aller. C'est par là. En fait, je sais pas vraiment où je vais. Hein, je... Ah non, c'est pas par là. Ok. Non, mais j'ai avancé comme ça en me disant, ouais, allez, c'est bon, tu connais par cœur. Et en fait, non, pas du tout. Rien du tout. Faut aller prendre les taxis, le taxi là-bas. Et moi, je suis vers les taxis là. Je suis allé en haut pour aller prendre le taxi. J'imagine que toi, t'es. Suis presque là. Demain, je serai sur Terra avec mon main pour te pourrir. PK, PK, PK. Non, mais oh, ça va? Alors, moi, le grand jeu, c'est en bas à gauche. Et toi, bah, toi, je sais toujours pas où t'as oublié Alors, ta quête, hein. pourquoi j'ai le PNJ de transport, il veut pas me. Il veut pas que. Il veut pas m'emmener. Ah, tu serais pas du côté répu?
Ah, transport de la République, oh mais merde. Ah bah gros fail du coup. Oh mon Dieu. Il est méchant qu'il est. Ouais, je sais, bah si tu me PK pendant toute toute la journée, je suis sur le serveur, mais je serai sur le serveur américain qu'il est, donc bah si ton main est sur le serveur américain, je crois pas que c'est un serveur PVP sur lequel il est. Alors, pas que coucou, par là. Hop, hop. En effet, quelle est. Je sais, je connais même pas le nom du serveur, donc tu vois. Je peux même pas t'aider à me PK. Pour en faire un sur chaque. Tout simplement. Du coup, t'es parti où, toi, pour la... On fait pour la tienne, hein? Moi je suis parti en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Ok. Bas à gauche, parce que je savais pas où était la tienne, du coup je me suis Ça doit dit, être bon bah celle-là. voilà. C'est celle-là, la tienne, c'est en haut à droite, secteur du Rose normalement. Donc t'es parti déjà sur le secteur industriel, c'est la mienne. Ah bah non, le grand jeu c'est moi, si. C'est ici? En bas à gauche, hein. Ah, ça doit être les Ah, autres toi aussi, quêtes, ça ouais. doit être les Non, autres. t'es, toi aussi t'es en dessous. Mais j'avais pas vu quand j'ai pris le vaisseau, il m'indiquait pas la tienne. Ça va être les autres quêtes dans le secteur d'Ouros, donc qu'on doit rendre ou qu'on n'a pas fini, détruire les caches d'armes, les trucs. Ah oui, bah ça on les virera quand on quittera la. Oula, à des souhaits. Pardon. Et on les virera quand on quittera la planète. Je ne Ouais. sais point quel est. Je ne sais point, je ne peux pas t'aider. Bon, je pense que c'est par là que t'es Faudra demander à parti. Maddy. Ouais, moi j'avance, hein. Oh. Oh là là. Par contre, où? Je ne sais point, mais j'avance. Alors là, il y a un truc qui. Oh là là, j'évite tous les aggros, c'est magnifique. De toute façon, on prend pas les... on prend plus les quêtes là, hein. Ça pue la peine, je pense. Hein. Non, je pense que c'est plus la peine, je La pense qu'on planète, c'est a. jusqu'au level 24. Moi, dans dès que je rends la prochaine quête, je passe level 24. Ah oui. Donc oui. Ça vaut peut-être Toi, je pas. sais pas où t'en es. Moi je suis à 2 barres de 23. Enfin non, je suis 23 mais j'ai 2 barres de progression, vas-y. Ok, ouais, donc. 100% près. Ouais, franchement on est tranquille hein, niveau. Alors attends, par où t'es parti? Ah bah, plus ou moins, peut-être que j'aurais terminé avant que tu arrives. Plus histoire, je crois qu'il va falloir. Du coup, je pars du côté de la mienne. Tu vas me rejoindre ou... Attends, j'arrive Ou tu veux rapidement, que je je rejoigne? Je défonce suis à ton. côté, je suis à côté, je peux venir dans... Je peux Bah, rentrer si si tu t'as peux, besoin. ouais. Ok. Je vais rentrer dans la zone là. Phase inqu... Non, Inquisiteur. Pourquoi je peux pas rentrer dans la zone? Ah, je suis en combat, il veut pas. Ah. Bon, bah, je vais les défoncer. Hop, c'est pas comme si ça avait pris 30 secondes. Bon, chez Mako, je sais pas si elle est vraiment bien optimisée pour le heal, mais bon. Ça peut pas être pire que ce que faisait Light. Non, ça vaut pas. Alors, on va essayer d'éviter d'aggro tout ce qu'il y a au passage. Ça pourrait être pas mal. Oh, ça va être tendu là. Comment je passe ça? Bon, bah, c'est bon. Bon, bah, je Bon, t'attends. y a mon pauvre. Il y a mon pauvre Kemval qui est mouru, mais bon. J'ai quand même tué. Allez, réveille-toi, Kemval. Bah, tu sais quoi pour la peine, tiens, Kemval. Ok, d'accord, Tac, allez, grosse baffe.
fallait pas mourir. Hop, allez, un petit coup de buff. Et si on mettait un petit boost de d'XP? Pas une mauvaise idée tout ça. Alors, hérisser. Ah, alors très méchant, apporte-moi des offrandes. Imbécile. Tout ça comme réponse. Voilà. C'est fut court, mais bref. Ouais. De 15 petites merdes à tuer. Et ensuite Ça un va. gros. Voilà. Ça va. Ça va, ça va. Wolgulk, comment ça va? Salut Wolgulk. Là, je t'ai vu à moitié bug dans la pente là. Ouais, parce que j'ai fait ma vitesse de force en sautant alors qu'il y avait la pente. Enfin bon, c'était un peu fait n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc la suite de ta quête, c'est de quel côté? Je dois prendre le vaisseau, mais toi, t'en as une en bas à droite, donc Juste on va en bas à faire celle-là. droite, ouais. D'accord, toi, t'as aggro. Moi, j'ai rien T'avais à aggro gros, moi. ici. Oui, juste Non, deux non. mobs. Ouais, là. Non, parce que je sais qu'il y avait un pack sur la gauche, il était plus là. Bon, le pack, je vivais avec deux mobs, hein. Il y avait un des clébards là, et puis. Ah non, je sais pas si... Ah, ça va. Où est-ce que... À gauche encore. Musique aussi. Un peu fort. Faut tourner. Ouais. Hein. Bah, la musique en même temps, c'était difficile. Voilà, c'est d'être par là. Ah, phase chasse. Oh purée, j'aggro. Je les avais pas Oh vus, là ils étaient là. cachés quoi. Oula! Un stuff bleu qui est tombé. Waouh. C'est pour toi. Mais bon. Ouf. Suis pas sûr que ça t'intéresse plus que ça. Exactement. Ok, bon, faut avoir tout défoncé là. Ça y est, j'ai chanté. Ça va être une catastrophe. Et salut Jean et une grosse. Ah non, oh non, c'est moche ça. Non. Ok. Je me suis fait troll. Salut Jack. Et allez, premier kick de la soirée. T'es où? Ah ouais, moi je continue à dépoper par là-bas, mais en fait ça sert à rien, ok. C'est des gens droit devant! Alors, je continue à gauche, ok. Il n'y en avait pas par là, c'est pour ça. Ah. Désolé! Je vais dire à Mako qu'elle arrête de heal parce que. Ah oui, parce que là c'est pas cool ce que j'ai fait quand Voilà. Ah, ton sort le plus puissant. Bon, c'était juste pour les dépop vite fait les deux. Hein. Enfin... Salut Shira, salut Neltawin, comment ça va? Bon, il va falloir les tuer ceux-là. Niveau 24. GG. Merci. Eh ben mourir. Presque.
Je vais le tuer après. Si j'ai le choix. Oh là là, on m'appelle vieille branche, ça va pas du tout ça. Run, Eltawin. Ah oui, adieu. Ah mais tu vas pas partir de chemin, hein, c'est bien, hein, c'est au moins t'as tes informations, c'est... Laisse-moi la vie sauve. Non. Ah tu commences l'OP ce soir, Eltawin? Ah bah écoute. Ah bah vas-y. Et voilà. Intercepter Zeklin. Je sais pas si c'est dans le même secteur que toi. Bonne question. Bon, du coup, en fait, j'ai bien fait de sortir au niveau des unités médicales bio-améliorées qui soignent moi et Mako, en fait, du coup. Ah oui. Hop. Oui, j'ai postulé pour une guilde HK. Je sais pas si tu connais. Bon, mais faut. Oulala, je connais point. Faut reprendre le TP et se barrer, hein, de toute façon. Ah, mais moi j'ai fait un tour gratuit là, ok. Ça fait le tour. Ouais, bah, j'étais en train de regarder le chat et du coup je suis à bon bah à droite, puis à droite, puis à droite, puis à droite, c'est cher. Ah, d'accord, ok. Ça... Y'a un problème au bout d'un moment. Quoi, t'as pris le TP ou t'as pris le voyage rapide ou pas? Non, 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 non. C'est pas très. Je savais pas que c'est qu'il fallait aller après, donc je suis parti au voyage. À mon avis, ça sera pas juste à côté de la maison. Hop. Ah bah à ce point-là, je pense, Netawin, soit tu vas faire du normal sur les nouvelles opérations, soit ce sera les anciennes. Enfin, les anciennes. Les 50. Donc, ouais. Non, pas les 50. Celle-là, ce serait vraiment facile, là, pour le coup. Ah, mais je me moque de lui. Alors là, je peux aller tout droit ou pas? Ouais, ok. Ah, comment j'ai tracé, là? Je suis loin devant, hein. Ouais, c'est vrai que ça attaque pas des masses, hein, là. Ouais, mais sans tank ou heal... Ça risque d'être compliqué. C'est toujours les tanks qui manquent, en fait. C'est des bêtes en voie d'extinction. Ça a 3 heures pour taguer. Oui. Tant que ça attaque pas à la dernière minute. Oui. Ça va. Exactement. On a déjà été un peu en retard comme ça. On avait mis un petit peu de temps à faire Atis. Ouais. Ou bah du coup gros fail. Alors il y a 3 zones où aller. C'est useless le PVP, trop de l'eau. Ah, d'accord. C'est lequel pour toi? Alors on avait pourtant vraiment l'impression que notre ami AD avait bien apprécié le PVP la dernière fois. J'ai tout déchiré, qu'est-ce que tu veux? Alors moi, est-ce que ce serait le grand jeu? Je crois que c'est le grand jeu, je crois qu'il faut que je revienne sur la promenade supérieure. Je vois bon, pas. Je vais aller déjà sur la bizarre, promenade je supérieure. Vois pas. Je vois pas mes têtes, mais tu veux aller où? Moi, à la recherche de Z, taxi de Stasioport. Ah, ça aurait peut-être déjà quitté la planète. On est une autre, ah, bah, coup peut-être. Percutant et première victime. Interrompre la rencontre, faut, je suis pas sûr que ça soit rentable ces quêtes. Non, non, c'est pas rentable. Secteur corélien. Je regarde les quêtes. Comment elles sont? Ouais, c'est, non, c'est du. C'est vert. Donc, direction, quête de classe. Pourquoi je vois plus les quêtes sur ma carte? Ouais, mais en fait, tu les vois que quand t'es dans la même. Dans la zone, ouais. Ah oui, pas dans la même instance, mais dans la même zone, ouais. Sinon, ça t'indique pas en fait sur les speeders.
Oh, j'ai l'impression. Ça t'indique que les tiennes sur les speeders. Je suis pas sur un speeder là, mon speeder il est transparent, je vole. Je vole en étant assis. Bon bah j'espère que t'as pas le vertige. Non, ça va. En fait je vais aller où là? Ah c'est là. Ok. Attends du coup moi, parce que s'il faut... Est-ce que si il faut que je me barre, vous apprend que Z s'apprête à quitter la planète. Ouais, donc moi c'est quitter la planète en gros. Donc faut peut-être mieux que je te rejoigne du coup. Oh, moi ça va aller vite je crois. Parce que tu es un type. Ah, attends ensuite. Bon bah j'approche pour aller faire le mien du coup. Alors c'est une blague, pas un tourloup, vous mourrez. Alors je dois affronter Paladu je crois. Ça va le faire ou tu veux que je vienne? Oh bah viens, mais je sais pas où c'est, je sais pas où encore. Alors, où est-ce que je dois aller? Pas en tout cas dans ma carte. Grâce à quand je. Ouais, oh. À tous les coups, quand j'arriverai au speeder. Bon, je retourne au speeder du coup. Ah bah, dès que je suis level en full 78 en duel, si tu veux. Que je te mette mal devant tout le monde, ça n'arrivera pas. Mais bon. Si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Je me mettrai en stuff PVP. C'est pas grave. Bon, du coup, les autres quêtes, je vais les abandonner. Ça a rien. Alors, où est-ce que je dois aller? En bas à droite, l'acte final. Taxi du carrefour des réseaux. Pour la musique. Ok, bon bah je suis dans le speeder pour te rejoindre. Ok, bah parfait, je suis monté il y a pas longtemps dans le speeder donc. Ça devrait arriver. Oh, ça tag. T'es mis en heal, hein, t'es au courant? Hein? T'as tagué en heal. LOL. Et si j'ai pas de speed, j'ai rien du tout. Bah tu vas devoir changer tes... Oh, on est pas dans la merde. Tu vas devoir changer tes... Oui parce que en plus l'autre il peut pas heal. Oh merde, et puis moi en plus j'ai mis prêt, j'avais pas vu quoi. Et tes autres, comment dire, cylindres. Et puis prépare tes... Mes autres heal. Cylindres. Mais j'ai pas d'autres cylindres. Ah oui, le cylindre, normalement. Ouais. On va partir bon maintenant. Courage. Oh, ça va être la misère. Les gens, je sens que ça va fail. J'espère qu'elle est pas trop dure cette. Jack, bah non, écoute, on verra bien. Advienne que pourra. Bah écoute, prépare bien tes sorts de vie, un bin lait hein, en passage. Bah de toute façon, j'en ai pas des masses. Hein. Non, tu dois pas en avoir des masses. Tu veux vraiment le coup de revenir dessus ou il y a encore des lacunes? Bah comme dans tout jeu, il y a toujours quelques petites lacunes, mais il n'y a plus de lacunes au niveau contenu, donc pour le coup, il a pris un peu de galon. Ah ouais, en plus celle-là, elle est bien chiante cette instance, il me semble bien. Bon, je vais bind... Ah merde, j'avais verrouillé ma barre. Non mais pars pas comme ça, mec. Non mais il nous attaque en fait au départ. Ok. C'est quel cylindre le heal? Celui qui est un peu vert, je crois. Jamais joué heal, donc on va dire ça. Cylindre de soutien de combat, les dégâts. Voilà, exactement, soutien de combat, soutien de combat.
Voilà, et pour healer quelqu'un, tu lui tires dessus en fait, avec le tir normal, le petit piou-piou. Ok. Tu vises quelqu'un, regarde, sélectionne-moi. Ah non, il y a Valdada qui heal. Apparemment, tu peux repasser en. Non, mais Valdada, c'est notre tank à la base. Ouais, il est toujours pas arrivé. Et voilà, là tu fais des petits soins comme ça. Et les gros soins, bah, c'est ceux que t'as, hein. C'était. Ouais, Voilà. scanner rapide et scanner de soins. Voilà, en gros. Putain, je trouve que Bon, ça je va vais être faire un heal. marrant. Tu as une préférence pour la classe? Un tank, pas un heal. Ok, un tank, non, tu fais ce que tu veux. Les tanks, les trois sont viables, hein. C'est quoi? On va mettre un steam aussi. Hop. Ah, t'as mis la bubule, parfait. Ah bah écoute, les textures sont mieux, hein. Je sens qu'on va aller lentement. Ouais. Impossible de voir la cible. Ah, c'est cool. De Rava 55, j'ai oublié, du mal ce soir, papa. Oui, bah oui, quelle est, je vois ça. Baro Rava 50, 55. Passons mes pinceaux. Plus, j'ai pas mes barres comme installées comme il faut. Les barres de vie des persos, bon, je vais cliquer quand même. Eh ben, il fallait vérifier avant de tag. Ouais, mais en DPS, c'était pas gênant. En DPS, non. Il fallait vérifier. Allez. Allez, le tank, n'aie pas peur, on a un bon heal derrière. Ah oui, d'accord, en plus tu pull. Je suis comme ça. Et lui, tu le soignes pas. Mais quoi? Mais si, si, mais si, mais. C'est bien, tu t'occupes de moi. C'est très très bien. Allez. Allez, go! Wow. J'ai pris cher là, le monsieur.
T'as, si je me fais interrompre en plus. Je t'aide en plus. Finalement, je sens que tu regrettes que Light soit pas là. Je sais pas pourquoi. T'as grand heal de merde là. Fallait vérifier avant. Oh, mais j'ai pas. En fait, ça m'a vu que j'étais en plein voyage, ça m'a pas mis. Allez, l'autre derrière qui traîne. Et ça c'est pas très intelligent de sa part parce que si l'autre il aggrotte derrière. Ah non, c'est bon. Allez, hop. Salut Haro, bienvenue sur le stream. Oh là, je suis ultra concentré pour le heal, là. Ouh, comment il est mauvais le heal, dit Light. Dis ça parce qu'il est jaloux, en fait. Complètement. Il est en train de voir ton skill et il se dit, oh là là, c'est pas possible. Un des meilleurs que moi. T'as déjà heal dans d'autres MMO ou... Oui. Ah d'accord. C'est juste que là je connais pas vraiment les sorts de heal quoi. Bon, il n'y en a pas des masses en même temps mais... T'as, ils sont tellement longs à un camp, mon dieu. Allez, bon bah c'est premier boss. On défonce les deux petits avant de défoncer les gros. Mais bon, toi, de toute façon, tu heal. Et du coup, ouais, c'est à dire que nous, on aura tendance aussi à en avoir un sur la tronche. C'est pas mon problème, moi je heal le tank. Hein. Si les DPS ils prennent des dégâts, ouais. C'est qu'ils sont mauvais. Ouais, ils ont un peu l'aggro comme ils veulent aussi, les chiens, je crois. D'ailleurs, ils sont sur moi en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai l'aggro. Ouais, ça va aller. Oh, y'a qui c'est qui reste dans la OE, le tank. Oh. Bah, tu vas comprendre pourquoi parfois certains heal gueulent. Ça va, pour l'instant vous prenez pas trop cher. Hop, je vous heal avec ça. Il y en a un qui est mort de chien donc. Ok. Ah. Ok. Bon, je vais faire un peu de conso, fais gaffe. Oh la vache. Ce que tu prends. Merci. N'oublie pas le tank hein. Ah ouais. On a bientôt terminé avec la dame. Ouais, je me suis mis sous bulle parce que c'était moi qui avais le focus, je crois. Waouh, mais hé hey. Quoi, c'est moi qui ai l'aggro, monsieur le tank. Ouais, j'ai eu un vieux lag. Attention, si t'arrives dessus.
Putain, je suis full chaleur là. C'est bon. Salut Lumo. Enfin Lumno, je devrais dire. Je peux pas taunt les chiens. Ouais, ça je sais. Alors, les bottes, oui, machin, on s'en fout. Ah, s'il peut se régène, lui. Je crois qu'il a pas l'air de voir, en fait. Plus, du coup. Restaure immédiatement, machin, ne peut être utilisé. Ah, d'accord. Ah, oh, mais j'ai ça aussi. Je me file de la vie. Allez, hop! Et s'il se met hors portée, vas-y, va te cacher pour pas que je te heal! Le bump heal plus, malheureusement, non, j'ai respé. Pour être un petit peu plus optique quand même. Un poil, hein. Bon, l'autre, je crois qu'il a pas l'air de vouloir avancer. Allez, hop, parce que moi je suis un heal utile, je stun l'autre tourelle. GG. Ah bah l'autre est là, ok. Bon, c'est 4 secondes, donc de toute façon... En fait, tout à l'heure j'aggro parce qu'en fait j'ai fait un tab et en fait le tab ne te fait pas switch de personne à heal, hein. C'est chiant. Tu peux prendre l'ascenseur si tu veux, enfin l'espèce de plateforme. Ouais, bah, je suis pas loin derrière de toute façon, le temps qu'elle revienne. Je le serais arrivé à vous. Ah, elle t'arrive dans le cul. J'ai rien senti. Bon, on va dire qu'on a rien dit, désolé, ça m'a échappé. Mais je me suis dit, il va peut-être se faire écraser. Salut Revax! Bienvenue sur le stream. Du coup, les premiers mots que t'as entendus ont dû être pas très jolis. Allez, parce que je suis un heal qui DPS. Hop. Ah oui, d'accord. J'avais le temps donc. Allez. Alors je vois pas les connards qui sont marqués parce que vu que je suis concentré. Qu'est-ce qu'on passe par là en fait? Ah, il veut tout éviter, ok. Bah ouais, bah go. Ok. Ah d'accord, crois... non, ok. De l'autre côté carrément, oui. Fais gaffe, aggro pas la tour, aggro pas la tour. Ah ouais, je sais. Je l'ai vu. Oh, y'a un coffre. Ah, en fait tu veux passer par là? Ok.
Il est passé où? Il est parti En où? dessous des caisses. Ah ok, il est là-bas. Ah oui, alors attention, attention là, pas gros. Attention là, pas gros. Faudra vraiment juste se mettre sur le coin du ascenseur qui va descendre. Ouais. Salut, Ous! Bah tiens, on est revenu ici, non? C'est chiant de heal, j'aime pas en fait heal. Ah là là. Et en fait cette chanson là je l'ai trouvée en fait c'est la chanson de Bref. J'aime beaucoup. Elle a été apparemment en partie en tout cas écrite et composée par bah, Ken Kojandi, le mec qui fait Bref. Attention bump hein. Semble bien que ça bump dans le coin. À moins que ce soit qu'en HM. Je sais Y a pas souvent mais... des jolis fails. Voilà, regarde, voilà. Hein? Hop là, bye bye. Ah non, il est là-haut. Il a l'intervention. Tu peux le grappe? Non, Non, on peut je pas l'ai le grappe. pas. Non, moi je peux pas le grappe. Il est en dessous et du coup il fait comment? Bah dur. Je vais tout te retaper. Bonne chance. Je ne pense pas l'avoir le truc, l'intervention, ça serait dans quoi? Dans TikTok. Non, l'intervention c'est pour lui, c'est un rabat. Ah. Donc le rabat il peut faire intervention, c'est sauter sur un allié, mais là ça me paraît un peu loin même pour le truc. Je crois que c'est 15 mètres, un truc comme ça. Enfin, et en fait tu sautes sur ton allié et tu lui donnes un bonus de protection. Mais bon, on peut peut-être. Oui, c'est vrai, avec le piratage on aurait pu débloquer celui-là. Ballot. Bon, on s'ennuie, là on aurait pu le faire à 3, hein, le druide de Ouais, mais c'est vrai qu'il combat. y a des ads qui arrivent aussi, donc je crois qu'il voulait Ouais, attendre le DPS. mais... Il est tellement Allez. skill en même temps. Regarde. L'encourage. Bon, bah, il est là, ça va. Ah oui, ils sont là derrière. Allez, au coup de sabre. Voilà. Ah, au coup de sabre. Oui, à 3 en passe, hein. Le tank qui avait pas l'air de vouloir. Il a pas confiance dans le heal, je comprends pas. Il est pourtant tellement skill ce heal. Tellement, tellement skill. On est ébloui de skill. Après le Mercocac, les sorciers. Ah, faut les faire dans quel ordre ceux-là? Oh, ils sont chiants. Dans quel ordre? Il y a Attends. du monde là. Je me rappelle plus. La sentie Attends, d'abord. mais il est en train de mettre les symboles. Ok. Ok, donc Maro, Rava, et puis ensuite je sais plus par lequel on termine. Violente les musiques, t'as vu ça, hein?
cible, feu et les deux autres en même temps. Cible, ouais, bah ça par contre, je crois qu'il va se toucher, mais bon, ok. Ah bah non. C'est-à-dire que quand on dit de commencer par cible, on va peut-être pas commencer par flamme. Ouais, alors, donc il y en a d'autres, ils ont l'aggro qu'ils veulent. Ok, c'est vrai que je vais galérer en fait, quoi. Ouais, t'as tout compris. Ok, on est sur la goule, tu me lâches, bouclier. Hop. Voilà, quel skill ce heal, même pas d'inquiétude quoi, les. Notre groupe quoi. Pourquoi t'as pris tant de dégâts que ça toi aussi là, hein? Non, moi j'ai pas pris de dégâts, je me suis consommé. Oh purée. Le tic il trouve que j'ai pas encore assez de boulot quoi. Bah clairement. En fait, l'éclair dure jusqu'à 21h le live. C'est fini ou je suis en lag? Allez. Ah, d'accord. J'étais en lag. Okay, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Ah ouais. Tant que tu te consommes pas. Ah bah là, je vais devoir me consommer, je te le dis tout de suite. Bonne chance. Je crois que tu vas mourir aussi. Ok, encore un lag. Je suis en lag, hein. Si tu peux m'assister. Ah, ok. Ah bah maintenant c'est moi. Ouais, là tu veux lui sortir le grand désolé lag, il va pas te croire. Je te le dis tout de suite. Je suis pas désolé, j'en ai rien à foutre. Vis sa vie. Voyez full. T'es sûr qu'il est au petit ton cycle DPS pour le moment? Parce que t'es tellement vite oum, bah je sais pas s'il est vraiment au petit, mais c'est plus ou moins ce qu'on m'a dit de faire, donc ouais. Attends, libère un arc qui inflige un dégât énergétique maximum 5-6 dans un rayon de 8 mètres. Ah, mais c'est pas mal ça. Ouais, alors ça. Ça va remplacer. Ça. Voilà. Sur l'autre ascenseur. Viens plutôt par là. D'accord. Si je descendais. J'sais ah pas. Non, tu déconnes ou quoi? Non, l'ascenseur qui était en train de remonter, je me dis bon, allez, on va descendre.
là. 2AD, il est plein de surprises. Non, mais sinon, c'est pas drôle, quoi, donc. Ah bah il serait revenu là à l'instant, tu vois. Genre, oh, il y en a qui sont morts, ah bon? Bon, on va lui faire un tour gratuit. Oh là là, mais comment je me fais viser là? Mon dieu. Eh ouais, c'est au kill, hein. Allez, là il va y avoir une petite conversation et on va être méchant. Enfin, en tout cas, je vais l'être. Et en gros, on va tuer tout le monde. Enfin, moi je vais tuer tout le monde. Oui, je suis en spé éclair, light. Première fois que je joue un sorcier de toute ma vie. Alors, hop là, évacue le sas. Et plus avoir d'air. Ah, Oh, comment oh t'es le sas. gentil! Oh, oh le Mais vous êtes type trop quoi! gentil, non? C'est toi qui as été gentil. Non! Si? Non, T'as moi je pris suis. 100, t'as pris 100 points de gentillesse, hein. Oh merde! T'as confondu évacuer le sas Moi je voulais tuer avec, les gens, d'accord. en gros, Ouais. évacuer, ça veut dire genre procéder à l'évacuation des personnes. Non, non. C'était évacuer l'air du sas. Ok. Donc t'as été gentil. L'arnaque, quoi. Bah ça se trouve t'es même plus obscurité 3. Et t'es tout juste au-dessus. Y'a une possibilité que ce soit même pas obscurité 3 du coup. Mais OMG. C'est quoi cette arnaque? Ah bah tu t'es autant arnaqué mon grand. Non, c'était mal formulé. Et oublie d'utiliser ton éclair de force quand tu as le proc. Oui, oublie pas, tu veux dire. Mais comment est-ce que je le vois le proc en fait? Allez, parce que du DPS ça fait moins de heal à faire. Y a pas un truc visible qui te dit genre, oh, tu as le proc. Du coup. T'as un buff avec le même skin que l'éclair. Ah d'accord, ok. Alors faut que je regarde ma barre de buff, pratique. Mais y'a pas un boss ici à la base? Oh, c'est peut-être quand 55. Ça y est, on arrive à la fin. Alors, Je sais pas, un buff. j'ai rien vu de la ZL. C'est pour ça que j'aime pas le heal en fait. On s'en joue rien, hein. Je vois rien. Je vois rien. Mais attends, là je vois rien. Ah attends, ouais, en sorcier éclair, toujours garder ses buffs entre l'éclair de force qui proc et l'éclair successif. Ok. Ok. Mon AO heal au moment où tout le monde se barre. NP. Voilà, bon, je vois rien. Ouais, faut taper les petites, hein. Voilà, ouais, enfin, toi, tu, c'est pas grave. J'ai pas le temps, moi. Non, pas de proc. À moins que je sois très très mauvais, mais je vois aucun proc. Je vois aucun buff, rien du tout. Je prendrais bien la deuxième Ah mais solution. j'ai pas encore le proc, ça va pas le faire aussi. Hein. Bon, attends, fais gaffe qu'on se fout. Voilà. Oh la conso, toi c'est les trois quarts de ta vie quoi.
Vas-y, barre-toi reporter au moment que je caste mon heal, quoi. Oui, bon, l'affliction sur les tourelles, ça va. Ouais, ça reste dans les AOE rouges. Ah non, j'ai une sortie, monsieur. Non, monsieur. J'ai le proc ? Où est-ce que j'ai le proc ? Où est-ce que j'ai le proc ? D'où ? Oh là là, qu'est-ce qui prend cher là ? Oh monsieur, il reste dans la haut rouge aussi, hein, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah bah là tu restes pas? Ah non, il est avant, je suis parti bien avant les dégâts moi. On va essayer de faire en sorte que tout le monde reste en vie, voilà. Oh level 24. GG. Alors, viser, on s'en fout. Est-ce qui... Et alors, sabre machin, vigueur, du... Bah oui, bah on s'en fout. Comment on s'appelle à canaliser que 1,5 secondes? Ah oui. D'accord, bon bah, dommage. Tant pis. Allez, bon ben on va sortir, simplement. C'est fini ? Allez, merci, on va leur dire merci. Ah ouais, oui, c'est terminé. Et là, au-dessus de ta map, juste un peu au-dessus, t'as quitté la zone. Le PGM, le heal. Bien en placement précédent. Regarde les dessins de j'ai pas encore vu, mais j'ai vu la description déjà. Je tiens à préciser, je suis toujours dans la même position, moi. Pas de bras, pas de chocolat, hein. On est bien d'accord. C'est bon, je vais avoir du chocolat, j'ai un bras. Ouais, t'as un bras. Une demi-tablette seulement, fais gaffe. Oh là là. Un bras bionique en vaut rien. Oh, c'est magnifique, merci beaucoup beaucoup. Merci Volgul qui est énorme. T'as pas Chiotech Bouillard en Zik? Non, j'ai pas, je ne connais point. Chiotech Bouillard. Ah, tiens, pendant le chargement, je vais faire un peu de rangement. Ah oui, bah tiens, je vais faire du rangement aussi. Donc plus de caméra, je range. Oh là, oh, bureau très sale, très très sale. On va ranger. Salut Morgo, bienvenue sur le stream. Bienvenue à toi. Et on t'entend faire ton rangement, fais gaffe quand même. De quoi? Moi je coupe le micro pas. Au moins. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. On entend le balai, fais gaffe. On était ici, qu'est-ce qu'on faisait là? C'était pour toi, je crois. Oui, quête pour toi. C'était pour moi, ouais, c'était ma quête de classe, en effet. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est un peu à perpète, ok. Voilà, en fait, leur bras repousse parce que avant de partir, j'ai mis les dots qui proc entre temps. En gros, c'est ça. Ah, alors oui, j'ai pas vu. Ah, il y avait des trucs. Ah oui. Oui, en effet. J'avance, hein. Ouais. Qu'est-ce que
tuer. Vu qu'il donne des quêtes, ça doit être des gentils. Si je peux passer tranquille. Voilà. Désolé, je ne l'avais pas fait light. Salut Mugui. Tu peux avoir un éclair successif instant, mais il me semble qu'il faut débloquer via l'orbe de talent. Et ce buff aura une chance de proc à chaque fois qu'un éclair touche la cible. Ok, bah merci beaucoup Mugui. Connaissez point les subtilités de l'aspect. Et voilà, je peux pas rentrer Je parce que connais toujours je pas. t'attends. Voilà. Ah d'accord, bah oui, mais oui, mais moi je m'occupe du chat, monsieur le chef, Du hein? coup, je peux changer de cylindre. Je vais remettre Ah oui. mes spells à leur place. Allez, on On avance. va convoquer Mako. J'arrive. Vers l'infini. Oh, t'es nul. J'ai même pas rebondi. Non, toujours pas. Et l'au-delà? Bah voilà! T'as dû taper ça sur Google, c'est ça? Non, le temps que mon cerveau se mette en route. Ouais, au moins lui, il regarde l'IRC, monsieur, qui est trop concentré sur son heal pour regarder. Ah désolé, je me prends au dépourvu pour faire du heal. Ah, c'est toi qui t'es pris au dépourvu, tu as tag en heal. Aussi. En fait, t'as du tag sur les deux. Regarde là, appuie sur ton truc qui est en gros le bouton en haut à gauche De la map, ouais, ok. de Ouais, je peux la pas. map. Oui, bah oui. Ouais. Ça s'est lancé. Les décors de jeu envoient du pâté quand même. Ouais, je trouve aussi pour un MMO, c'est franchement beau. Salut, Yulgrosh! Bienvenue, Yulgrosh. Remettez-moi l'artefact. Ça ne m'empêchera pas de vous tuer. Bon, les fracassages. Alors, oui. Je fasse gaffe à un proc. Faut que je le vois ne serait-ce qu'une fois. Là, je le vois pas. 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 Je le vois pas. Ah, attends, est-ce que c'est quand j'utiliserai plutôt le. Comment dire? Clair successif. Je vais pas dire c'est ta quête et c'est moi qui tank là. Ouais. Très bien. C'est justement fait pour ça. Affliction, oui, oh, c'est bon. Il est où ton Mabar Junior? Tu l'as pas ressorti? Ah oui. Il doit mourir. Vous serez mes porte-parole. Allez hop. Rien compris, mais très bien. Je dois aller dans mon vaisseau. Ok, bon du coup, laissez voyage rapide. Ouais, je rappelle, toi aussi, tu dois aller Spaceport? Ouais. Ouais. C'est ça. Hein. Où est-ce que c'est là? Cantina, non. Spaceport Mezzanti. Ah, l'affliction, c'est ce qui me donne le proc? Tiens, j'avais une question. Comment peut-on réussir les missions spatiales level 50 héroïques? Je suis preneur de conseils. Il faut acheter du stuff pour ton vaisseau. Tu peux stuffer ton vaisseau. Alors, regarde. Tu prends ta fiche de personnage que tu as en C, normalement. Ça touche C. Tu vas dans vaisseau. Et là, tu peux lui mettre des améliorations, des trucs, des machins. Faudra pas aussi oublier d'utiliser des roulades. Alors, où est-ce que tu peux avoir des améliorations? Bah, en faisant des quêtes spatiales, tu en gagnes quelques-unes, je crois. Et sinon, ah, t'es full rank 7. Bah écoute, utilise la barre espace, hein, je sais pas. Hello, mais. Et dis donc, même mes officiers là, c'est Nidiam qui dit que je suis low. Oh là là, ça va pas du tout. Ah, tu veux que j'aide? Parce que toi t'as un truc à faire, non? Ouais, je crois normalement. Ils ont sorti une extension payante déjà sur SWTOR, oui, mais maintenant, si tu es abonné, elle est gratuite maintenant, au jour d'aujourd'hui. Bon, ça se trouve, je dois juste lui Oui, parler. mais j'ai lu Jack, t'inquiète pas, hein. J'ai vu, c'est l'affliction qui donne. Ok. Je veux tous les codes des Ok, systèmes c'est l'affliction, d'exploitation. donc j'utiliserai plus l'affliction. Oui, tu peux te reprendre un abo sans crainte. Dans quelques secondes.
Franchement, Revax, il jouait en free-to-play. C'est bien pour découvrir le jeu, mais tu vas rapidement te taper la tête contre les murs si tu t'abonnes pas. Dommage, mais c'est comme ça. Faut prendre ça comme une démo. Démo aussi longue que tu veux dans un certain sens, mais limité au niveau de l'XP que tu peux gagner. T'as un petit malus d'XP que tu peux gagner. Enfin, t'as pas de bonus d'XP que tu peux gagner, du coup, c'est comme un malus. Attends, rejoins Kieleren. Oh putain, faut que je me rebarre. Ah ouais? Faut que je retourne, je sais pas où. Ah, pas cool. Faut que je retourne où j'étais avant, faut que je retourne parler à Kieleren. Oh, c'est génial. Ah ouais, je viens de vérifier, mais moi j'en vois jamais l'affliction, mais j'ai quand même les procs. Ah d'accord, bon. Bon, bah ouais. On verra bien, je taperai. Il faudrait que je le voie ne serait-ce qu'une fois, comme ça je serai habitué. Mais il n'y a pas une animation autour du perso. Parce que le BH par exemple, enfin le Merco, quand tu as ton proc barrage, il y a un espèce de petit, comment dire, tourbillon orange, jaune autour de toi. Et donc toi tu dois prendre... Faut que je retourne au... À la recherche de Ziz, ça? Ouais. Ah, Mugu. Ce perso, tu le pecs que en live? Oui, je le pecs que en live. Faut que je retourne à la cantina, en fait. Il y a les autres aussi que je pecs en ce moment, enfin un autre que je pecs en ce moment, à la cantina? Ouais. Donc inférieur. La promenade d'inférieur, ouais. Ouais. Okay. Ah si, au niveau sonore, ouais, mais tu vois, moi j'ai pas le son très très fort du jeu. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, les coups de sabre laser, je préfère écouter la musique. Surtout en PVP, t'entends zoom 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 tout le temps. Et oui, les autres aussi, je les pecs en live, mais je les pecs en live sur ma chaîne, je... Sinon non. Ah quoique, il m'est arrivé des certains lundis, de pex mon parodeur. Mais en PVP généralement. Mais comme AD n'est pas un grand fan du PVP. Non, j'aime pas trop. Il se débrouille bien. J'aime pas, je suis pas un fan, j'ai jamais été fan du PVP en fait. Ah ouais? Dans tous les mémos dans lesquels t'as joué, enfin, t'as surtout joué à WoW, je crois. Ouais, mais j'ai fait aussi pas mal. J'ai testé pas mal les autres aussi, mais. T'as jamais été ton truc? Non. J'imagine que Guild Wars 2, par exemple. J'ai pas joué à Guild Wars 2. Ouais, t'as pas loupé grand chose. Ok, mon perso qui bug. Ah oui, mais c'est là. Oh, je me suis encore. Ok, hop, c'est bon. Mon perso qui avançait tout seul. Ah, c'est pas mal ça! Voilà. Bah écoute, moi j'ai quand même eu le perso qui faisait la toupie. Genre il continuait à aller à gauche, il tournait sur lui-même. Fallait que je surcompense en allant à droite. Du coup, je pouvais aller à plus ou moins tout droit, mais je pouvais jamais vraiment aller à gauche. Enfin, tu vois, bon, c'était compliqué. Ok. Alors. Et là, ils te disent d'aller au spatioport à tous les coups. Accéder à l'émetteur holonet. Ah non! Ok. Attends, en fait, mais j'étais en retard par rapport à toi sur ma. Bah, apparemment. Oula, mais j'ai beaucoup plus de. De PV que toi. Bah, c'est pourquoi j'ai autant de PV par rapport à toi. T'as oublié de mettre des blindages ou quoi? Non, non. Attends. Je suis monté, mais je suis sûr que c'est même pas par là. Si, enfin c'est. Et je crois qu'on doit prendre le speeder ici, c'est. Speeder, ouais. Non, non. Ah, alors. Aderwen ? Oui, Aderwen ! Bah, là, oui. Je suis en train de jouer avec Aderwen. Simplement, la personne que tu entends sur le TS, c'est avec moi. Aderwen. C'est moi qui ultra skill là en tant que heal. Prends pas Kemval, bah là pour l'instant je suis sur mon speeder donc. Pas spécialement. Faut que j'aille tout en bas à droite. Où c'est qu'on était tout à l'heure pour toi? Ah bah d'accord. Ok. C'est pratique. Ah bah oui, mais je vais remettre la caméra.
t'as fini le rangement. Ah, ah merde, j'ai loupé. C'est moins drôle la deuxième fois. S'il vous plaît, on la rename, c'est pas Kemvald, c'est Mabar Junior. Oui, c'est pas Kemvald, c'est Mabar Junior. Mabar étant mon perso principal qui est un petit peu enveloppé et dont tout le monde aime bien se moquer. C'est pas gentil d'ailleurs. Oh putain, c'est à l'autre bout. Ah ça. C'est pas grave, un fail de plus. Ce sera rajouté à ton compteur. Et à la fin, il y aura une punition. Allez en PVP, tu vois, un truc comme ça. Non mais c'est pas de ma faute, hein. J'ai pas fait de fail. Non mais où oh. Si t'as mal évalué, tu as cru que quand tu irais au spatioport, ce serait pour quitter la planète. Alors, ça paraissait logique, mais... Ah oui, mais la logique dans Star Wars... Attends... T'es surestimé un petit peu le les gros secteurs. Non, je rigole. Non, c'est méchant. Ah oui, je sais pas si t'es au courant, je crois que j'en ai déjà parlé, mais voilà. Il y a bientôt Galactic Starfighter qui va sortir. Pour les abonnés, donc c'est à dire toi. Pour le moment, en tout cas. Donc ce sera du PVP, 12 contre 12, mais en vaisseau. Ah, ça peut être marrant ça par contre. Avec des vaisseaux, donc c'est assez cool. Alors j'ai vu quelques images, en gros tu dois capturer des satellites, tu dois tourner autour pour que tu vois, ça le capture pour ton équipe. Un peu le même principe que le PVP, mais t'es dans des vaisseaux et en fait apparemment t'as des arbres de compétences de vaisseaux. Pour avoir des capacités et pouvoir... Enfin tu vois, ça a l'air assez rigolo. Je testerai ça, alors, ça bon, peut être sympa, ouais. Je sais pas maintenant si ce que ça va donner parce que j'étais pas... j'ai pas été pris dans la bêta test. Et pas été invité. Mais ça peut être marrant. Ah mais Light, oui, je me souviens que t'avais plus de PV que nous, mais AD, je sais pas pourquoi, il... Oui. Bah genre un petit peu, c'est quand même, t'as genre 20% de PV de moins. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ah, je vois toujours pas de buff, hein, mais bon. Alors, attends que je rebuff, je vais invoquer Mako. Ah oui, et, je prends Kemvald. Et je me soigne parce que. J'ai pris pas mal cher. Hein. Kemvald, comment ça va? Ah, faudrait peut-être que je staff un peu lui aussi. Bon, allez, Osef, va te faire des pops, Kemvald. Très bien comme ça. Ah non, c'est sa subversion, donc c'est pas ça, ok. Voilà, ça c'est pour la régène. Ok, oui, bah oui. Trop vite. Toujours rien. Alors, on m'a dit que c'était l'affliction, c'est ça? Bon, on va faire l'affliction. Ah, c'est vrai que j'ai un point à mettre aussi dans mon arbre là. Notamment. Wow. Je vais le mettre vite fait, tout de suite. Ah, c'est l'affliction, c'est pas l'obscurité écrasante, ok. 21h, il y a Bourinator, 21h. Oui, oui, oui. Une live doc, c'est sûr, un autre live play. Faut que je mette en quoi? Traçage de cible ou post-combustion? Sur le troisième palier. Ah non, attends, deuxième palier, j'en avais un que j'avais pas mis. Hop. Ouais. Je ne sais point parce que là, je t'avoue que bon, je joue Merco main, mais je me souviens pas non plus de tous les. Le type quoi. C'est son mail, alors, il sait même pas. Salut Rux, déjà, bienvenue sur le live. Et qui dit tout le monde peut accéder à la bêta de GS, il suffit d'installer le royaume test et Tsiko. Bah, moi j'avais pas compris ça, j'avais juste compris que tu devais être invité avant. Il n'avait accès que si t'étais invité. Maintenant je peux me planter. Alors là. Et tu sais quel jeu va faire Bourinator en fait ce soir? Un petit peu de tout comme d'hab je crois. Il y aura sûrement du Monique, hein, passion aux tests de caisse. Hein. Comme toujours. Hein. C'est son jeu, il est devenu fan de ce jeu.
Ah, j'ai pas très bien compris le dessin de Wolgulk, j'ai vu ça sur Facebook, où tu es apparu apparemment quand, quand Oui, il a fait un truc dans le parce jeu. qu'en fait il a fait trois jeux et puis j'étais sur le TS avec lui en fait et voilà. Ah, d'accord. Et s'il explique cela? En fait, ils font deux périodes de tests ce week-end et le week-end prochain, il me semble. Ah, d'accord, ok. Maintenant, c'est bêta ouverte. Ok, non, parce que je parlais de la bêta, on va dire, fermée. Je Rost sais par moustache exemple. quoi. Ah, bah, pas loin de la mienne, hein. La moustache de compétition, ça. Mana, par exemple, anciennement des Frogs, maintenant de l'équipe Impact, joueur PVP, sur Darknilus. Comment dire, a été invité lui pour la bêta. Alors il pouvait pas en parler, mais voilà, je savais qu'il avait été invité. Alors, hop, appel au communicateur direct. Si ça veut bien, oui, c'est bon. Il a les boules. Ah, je crois qu'ils sont en train de. Le fracasse? Prendre des nouvelles de l'uni. Putain, mais elle est toujours pas finie cette quête, quoi. Ah, c'est la quête de l'enfer, hein. Je vais te passer level 25 en la finissant si ça continue. Oui, Morgo, peut-être une bêta antérieure, en effet. J'étais très déçu de pas avoir été pris. Mais s'ils le font ce week-end, bah, j'irai certainement faire un petit tour quand même. Parce que j'ai envie de le tester. J'ai déjà on va dire le serveur test, donc. Enfin, tu me diras, ils ont dû rajouter le patch en plus, donc. Ouais, faudrait que tu Il y aura télécharges PM, mais. la mise à jour du patch de. Pum pum pum, c'est par où la sortie? On va afficher la carte. Par là. Et Rugs, le problème c'est que moi je suis abonné depuis le départ du jeu. Ah oui, alors gros truc aussi. Parce que Gantbox, dans son intelligence optimale, quand il est parti jouer à Diablo 3 et à Guild Wars 2 et a un peu lâché à l'époque Star Wars, n'a pas désabonné. Et du d'un coup, va sur son adresse email et voit que oui, en effet, il a reçu. Alors c'était passé dans les spams, je sais pas pourquoi. Et les trucs de Star Wars lui disant oui, vous avez bien payé votre abonnement et machin. Ah, d'accord. Ok, merci. Ok. Donc j'ai eu le droit à, je sais plus, 4-5 mois d'abonnement cadeau. Bon, ça va, du coup, si t'as eu tes 4-5 mois de cadeau, ça compense, Ah, hein. pas cadeau, hein. C'est pas cadeau, Ah c'est. oui, Enfin, t'avais. j'ai eu. Cadeau pour eux, tu vois, c'est cadeau à D'accord. Viewer. J'aime ce que vous Ah oui, faites, d'accord. c'est magnifique. Comme si je leur avais écrit une lettre d'amour, je sais pas. Mais alors bon, j'ai eu l'équivalent au pied du cartel ensuite, donc. Bon, c'était par rapport au nombre de mois où tu étais abonné depuis le départ, donc. Ah, champion du monde, n'est-ce pas, Morgo? Et Rugs, tu n'as pas eu de chance alors, en effet. Non seulement je paye les abonnements sans jouer, mais en plus je suis pas pris pour les bêtas. Merci, BioWare. Tu vas où? Cantinage. Ok, donc taxi inférieur, Su ok. inférieur ou supérieur, pareil. Il me dit de prendre le supérieur. Ah oui, bah, j'adore BioWare, donc voilà. C'est pour ça. Je me suis dit, non, c'était totalement volontaire. Je me suis dit, j'ai envie de les encourager. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas fait faillite grâce à moi. Bah peut-être. Hein. Ça s'est peut-être joué à quelques euros. Salut Destiny! Non, Destinity! Pardon, Destinity, bienvenue sur le stream! Bienvenue. Allez. C'est beau! Ah, il y a des pubs entre deux buildings, t'as une Twi'lek à moitié à poil. Où ça? Je vais faire demi-tour. Non, bah, c'est, tu vois juste la silhouette, mais tu Oh. comprends bien que la petite Twi'lek n'est pas fortement habillée.
C'est même pas drôle. Kelly qui dit j'ai pas play pendant un an sans Stop Labo aussi. Ah bah oui. Non, ah mais oui, non, les gens. J'ai fait la même pour vous pendant 3 mois, je comprends ta douleur, mais je me moque quand même. D'accord. Si vous avez trop d'argent, les gens, vous pouvez me faire des dons. Destinity qui nous dit eh oui, j'ai rajouté un petit A étant donné que mon pseudo a été lâchement volé. Lâchement volé, mais par qui? J'imagine par Destinity. Mais. Et derrière ce. Ah non, mais du coup, c'est pas du tout là. Ah, mais ok. Et alors là, nous avons Karaga. Karaga. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait une. C'est peut-être pas Karaga, tu me diras. Oula. Allez, allez. Les huts se ressemblent un petit peu entre eux, et puis il a le chapeau de Karaga. Donc pour moi, c'est Karaga. J'adore, je dois me battre. Ah, je voyais pas les mobs. C'est pratique, hein. Morgo qui dit on n'a pas trop d'argent, on a juste pas de tête, c'est différent. Ah oui, Light, c'est vieux comme morceau, ça, c'est The Killers. Ça date pas d'hier. Inspecter le cadavre. Quoi, Jack? Pas compris. Alors, vu que je suis cupide, je ramasse. Et utiliser l'holo-émetteur. Donc, y a pas beaucoup d'ambiance dans cette cantina. Hein. Oh, holo-dancer! Alors si on voit pas là, en fait elle est en train de faire du pole dance mais sans pole dance, donc ça fait bizarre. Ouais. Et là je me dis qu'il y a un des développeurs qui a dû passer, je sais pas moi, quelques heures à faire les hologrammes de Twi'lek en train de faire du pole dance. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Tac tac, noyau, blindage de droïde. Oh, on s'en fout ça. On va essayer de pas trop mourir là, il t'a promis. Ah si si, c'est bien lui, c'est bien Karaga, ok. Oh bon, moi vas-y, hein, tu continues ta quête, hein, moi je regarde le spectacle pour l'instant. Bon, ouais, ça, on est reparti. Ah d'accord, ok. Affronter l'Eldoran, l'Eldolan. J'ai pas pu lancer l'œil pendant trop longtemps. Ah mais. Pfff. Et les viewers, faites quelque chose quoi. Pensez-lui à être sérieux s'il vous plaît. Ouais. Et pourquoi Nihesh au fait? C'est un autre comme ça. Pseudo? Non, non, ah, comme ça. C'est... T'as pris générateur de pseudo et tu oh, ouais, sauf que les générateurs de pseudo, en fait, tous les pseudos ils sont déjà pris, ce serait bien qu'ils renouvellent à un moment, parce que, à mon avis. Déconne. Ah bah tous ceux, j'ai fait au moins une vingtaine de fois générateur de pseudo hein, et ça a pas marché, il y en avait un qui me plaisait à peu près. En fait c'était Niesh mais avec deux E. D'accord. Donc j'ai enlevé un E. Ah d'accord. Et c'est passé. Et du coup là c'est pas si important. Non non, encore en bas... En bas à droite. En bas à droite. Ouais. Carrefour des réseaux. J'aime bien, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même des lignes de trafic qui ont été faites, tu vois, parce qu'on voit comme des speeders qui sont à la queue leu à une certaine hauteur, à une certaine distance. Mais nous, OZEF quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, on fait ce qu'on veut quand on veut où on veut. Normalement, faudrait passer par là. En fait, je trouve, on aurait pu gagner du temps parce qu'il y avait un autre taxi à activer. Le taxi est prioritaire, exactement. Il y avait un autre taxi à activer ? Dans cette zone-là. Tu crois pas que c'est celui d'y aller plus ? Je sais pas, il me l'affiche sur la carte, donc techniquement, non.
Bah, si tu te rapproches assez, parfois il t'affiche sur la carte. Où est-ce qu'il te l'affiche? Mon affiche est un temps. On va voir. Je pense, je sais pas. C'est pas par là, Pas mais. du tout, pas du tout. Raté. C'est Raté. par là, quoi. Oh mon Dieu, j'ai du mal. Ah! Qu'on les avait brain, mais pas du tout. Allez, on va faire convoquer Mako au passage. Ça peut servir. Bon, c'est décidé, dit Morgo. Je vais absolument retrouver ma boîte de sauteurs et reprendre un abonnement. Ah, bah ouais, je te le conseille. Donc, là par exemple, il y a 4 opérations au niveau 55, 3 au niveau 50. Donc, je sais pas quand est-ce que tu as arrêté, hein, mais ça vaut le coup. Et qu'est-ce que tu as en plus? Maintenant, tu as les arènes en PVP. Donc, 4 contre 4, et il y a le BG classé maintenant. Donc, les arènes classées, ce sont des arènes maintenant. Même si les anciens PVP existent toujours, hein, mais c'est juste que... Ah bah voilà! Prochain éclair est gratos. Ça y est, t'as Ah mais ton c'est en proc. faisant un... Ouais, je l'ai vu. Enfin ouais, c'est une fois tous les 15 du mois, quoi. Je pense que ça doit augmenter au fur et à mesure. Oui, je crois que c'est une compétence plus tard. Mais... Comme c'est dire que depuis tout à l'heure je regarde, et c'est que maintenant que j'ai. Act of Force coûte 75%. Voilà. Allez, il faut en tuer encore 4 pour le quête Ah bah y'a plus bonus. rien là. Y'a plus rien. Bon, tant Bon, pis. peut-être que eux comptent comme Mince, t'aurais peut-être dû ressortir Canval avant. Ah oui. Il te reste pas du bon stuff Merco de niveau 30 environ dont tu n'aurais plus besoin parce que j'en ai un et j'ai du mal avec mon stuff. Bah malheureusement non parce que ça fait quand même très 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 longtemps que je suis plus level 30 avec le gros Mabar. Par contre, le conseil que je peux te donner, c'est de prendre du stuff orange. Tu peux l'acheter pour pas cher à l'HV. Et tu le remplis de modifications, de blindage, de machin. Tu récupéreras grâce au. Comment dire? Aux distinctions planétaires. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, il reste l'autre là à tuer, et puis normalement, ça doit être bon. Il est parti où? Il est en Ah invisible là, il est ou? là. Ah oui, ok. Bon allez, Osef. Hop là, il est mort. Voilà, il est mort sur le. Sur la rambarde. Salut, Terra. Ah, Terra, ok. Bah oui, et Joshi aussi est là. Bah oui, il m'a dit, Terra, forcément que c'est notre petit Madina Wolf. Ou quoi? Et je le tue et je fais du lumineux quoi. Tu Mais je le tue et ça me fait plus 50 en lumineux. Ok. Mais tu sais que tu dois comment dire activer l'option te disant si tu auras du lumineux ou pas. Hein. Ah, comment tu l'actives ça? Je crois que c'est dans préférences. Alors attends, non. Ok. Non. Pas ça. Texte flottant.
Texte flottant divers, enfin tout ça. Moi dans texte flottant par exemple j'ai tout d'activé. Stabilité. Tac, 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 je les sens Non. pareil. Dans quoi? Non, ça devrait être là. Afficher le gain dans interface utilisateur, conversation, afficher gain d'alignement, conversation. Exactement. Voilà, utiliser intercom de votre vaisseau. Ok, faut se barrer. Ah bah c'est bon, Donc c'est là, il tu est dois up. avoir Le voyage le voyage rapide est up. rapide, voilà. Ouais, il est up. Spatioport. Alors, il y a encore un petit message. J'ai 20K de crédit, ça suffit pas. Ah, 20K crédit, ouf. Bon, ça va être dur. Ça va être dur quand même hein, pour te faire un stuff orange. Enfin, peut-être déjà du stuff orange. Hein, le but ensuite, c'est de retirer donc les mods et les blindages, même si c'est du petit level. Hein. Tu retires tout et tu le remplaces par, par les nouvelles que tu auras grâce aux distinctions planétaires. Les distinctions planétaires, tu peux en avoir de deux façons, soit en faisant des quêtes. Tu récupères, généralement, tu as des récompenses à la fin, ils te donnent un choix. Bah, tu choisis de récupérer des distinctions planétaires. Ou alors tu fais du PVP. Et avec les distinctions de zone de guerre que tu récupères, tu les convertis ensuite. Donc ça, près de la boîte PVP sur la flotte. Hein, tu les convertis ensuite, tes distinctions donc de zone de guerre, en distinctions planétaires. De mémoire, c'est genre 30 ou 40, je sais plus, distinctions de zone de guerre est égal à une distinction planétaire. Wow, ah oui Les quand même. blindages te coûteront 7. Ah, c'est où? Attends. T'as S7 Là en faut face. que je vais à mon vaisseau donc je pense pas, tu peux pas rentrer dedans de toute façon toi. Si, je crois que je peux, mais enfin, je vais aller dans le mien. L'inquisiteur ici. Et donc, un blindage te coûtera 7. Et un modification te coûtera 2. Demain, c'est le grand jour. Je suis stressé, j'ai pas l'habitude de stream. Mais t'inquiète pas, ça ira très bien, m'a dit. Ça m'a dit qu'il se met à stream. Ben, je vais stream avec lui demain parce que je lui ai promis depuis longtemps que Ah. j'essayerai Terra. Ah. J'essayerai Terra et donc il a réussi à me convaincre d'aller essayer Terra. Je ferai un guerrier et on fait ça à 15h demain. Voilà. En fait, il est pas en France métropolitaine, il est dans les Dom-Tom. Et du coup, ben, il travaille avec le décalage horaire aussi. Oui, c'est sûr. Lui, il sera 10h du mat, donc il est quand même très courageux. 10h du matin, oh là là, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure surtout du début de la nuit, quoi. C'est. Alors, holo terminal. Tac. Non. What? Ah Ah, non, regarde, c'est tu pas l'holo vois? terminal, c'est l'intercom qu'il faut que j'utilise. Regarde Mugui, tu vois, là, je peux choisir une récompense, bah, je vais choisir la distinction planétaire. Voilà. Et comme ça, bah, je récupère des distinctions planétaires. Bon, là, je viens de les utiliser, donc j'en ai 5, tu vois, seulement. Mais comme ça, tu les accumules et tu peux t'acheter donc tes blindages. Et regarde, tu fais comme moi, tu vois, tu t'achètes que du stuff orange. Même si c'est des trucs très moches, hein, tu t'en fous. C'est pas le but. Si t'en as dans ta soute, tu les utilises. Mais tu te remplaces simplement, tu vas à l'intérieur, tu fais contrôle droit. Voilà, tu peux enlever et mettre des blindages différents. Et voilà. Là, t'as tout, hein. Bon, ça, c'est la teinture, on s'en fout, mais Alors, voilà. au terminal maintenant. Putain, sérieux. Je me suis rendu à Là, Kaidalan. Les renseignements le je confirment. suis toujours en discussion dans mon vaisseau, ça. Félicitations. Ça va assez long quand même. Avant que vous partiez à la. Je me demande ce que ça veut dire. La si. Je crois que je dois aller sur Dromunkas. Tout est bizarre depuis le début de cette compétition. C'est vrai. La famille des. Ça, je le fais, mais ça me coûte trop cher en distinction, donc je suis obligé de changer le orange parfois. Ouais, oui, bah si tu trouves une meilleure pièce de stuff en attendant, mets-la. Et à ce moment-là, si t'avais quand même des bons blindages dedans, tu retires les blindages pour les mettre de l'autre côté. Mais je te conseille de faire un peu de PVP, par exemple. Tu sais qu'il faut où c'est qu'il faut que je retourne? Moi je dois aller à Dromunkas, mais toi Ah tu dois bah aller où? pareil ici, pareil. Ah bah voilà.
Romanka, c'est en haut. C'est en haut, ouais, pas loin de la flotte. Tromonkas. Là, je suppose qu'il va falloir que j'aille reparler aux autres là de la traque, de la grande traque. Ah oui, Destiny a raison, tu peux aussi faire du craft si tu as tes compétences de déjà montées. Jacqueline, quête chacun de votre côté si... et vous vous rejoignez sur Tatooine. Ah d'accord, ok. Apparemment, faut chacun aller de son côté. Ok. De toute façon, là en pro, on va aller, je pense, on va les parler et puis ils vont nous dire d'aller sur l'autre planète, quoi. Ouais, C'est voilà. juste Exact. pour aller se balader à Très pratique. Dromunkas, quoi. Je maîtrise pas assez mon perso pour ça. Ah mais ça c'est pas grave. Fais du PVP. Tu fonces, tu t'en fous, même si tu perds, tu gagneras des distinctions. Voilà. Et au fur et à mesure, tu te stufferas. Ça prend pas très longtemps. Et ça proc bien en plus les PVP, même bas level. Et Mugui, j'ai pas le temps de passer sur le MHO. Si j'avais le temps, je le ferais. Parce que Mugui, c'est un que je connais d'équipe du MHO, c'est le serveur Minecraft. Ah! Où on était tous avant. Et vu qu'ils ont refait entièrement, enfin, c'est toujours en cours de reconfection. Ah oui. Et on fait entièrement Ouais, quoi? tout le serveur en fait, mais c'est Ah un oui. truc de malade en fait. Puisque en fait ça devient un MMO en fait, le serveur. Ah oui, à ce point-là. T'as des quêtes et tout, les donjons, machin. Franchement, ça déchire. C'est sympa. Ceux qui veulent, je vous conseille d'aller voir hein, d'ailleurs, mashonline.fr. Vous pouvez aller voir, vous serez bluffé. Bon, c'est qu'une version bêta hein. Pour l'instant, nos amis travaillent dessus hein, mais il y a déjà du boulot monstrueux. Ah, Allez. Irful, en fait, t'as peut-être raison. En fait, tu peux aussi, si tu veux, du coup, Mugui, refaire les héroïques des premières planètes pour récupérer des distinctions. Pas une mauvaise idée. Si vraiment t'es bloqué au niveau stuff, ça peut être une bonne façon de débloquer. En fait, le serveur il a son propre launcher et tout quoi, avec des Ah ouais? mods et Ah d'accord, non tout. mais c'est à ce point-là quoi, Il c'est... y a, je sais plus, je crois qu'on doit être à peu près maintenant à, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a au moins 300 blocs maintenant différents, en plus de ceux d'origine quoi. Ah oui, en effet. T'as même une zone de départ, une île tuto pour t'apprendre à avec les mods et tout machin qui sont dessus. Hein. C'est vraiment une autre façon de voir Minecraft avec ce serveur. Mais en fait, j'ai complètement fail. Pas du tout là que je vais aller. Ok, moi j'ai vraiment cru que je vais aller parler à mon entraîneur et j'ai pas du tout regardé où je devais aller. Et du coup, en arrivant là-bas, je me dis, ben non, je dois pas lui parler. Mais non, en effet, tu dois aller à l'autre bout de la map. NP. Tromonka City. T'es sûr que t'as pas fail toi non plus? Non, mais il y avait le petit truc vert sur un truc, donc c'est bon, c'est pas là. C'était la zone en plus de. Réussi Il y a alors, c'est mon déjà ça. entraîneur qui est là-bas aussi, je te dirais, mais d'ailleurs, ce serait bien que je lui parle, parce que je pense que j'ai peut-être quelques. Ah, si tu veux, au pire, je t'en ferai popper un, mais. Ouais, un hut. Exactement, le professeur, je sais plus quoi. Comment il s'appelle déjà? Statut de. Professeur Augurob. Eh ben. Les huts se ressemblent de toute façon. C'est des grosses Enfin, en larves. fait, ce qui distingue un hut d'un autre, c'est soit parfois sa couleur, ou alors c'est Il a un œil quoi, crevé. ils lui mettent un accessoire, tu vois. T'en as un qui a un œil crevé, t'en as un qui a un chapeau, t'en as un qui... Et celui-là, il a une espèce de.
De monocle? Ah non, c'est, je crois que c'est même un truc comme, tu sais, la Dragon Ball Z qu'ils utilisaient pour évaluer la puissance. Oh, j'ai le... Putain, 6000, il coûte le cure. Cure. Ah bah cure c'est bien. Cure c'est pour enlever les... Ouais, ça porte bien son nom. Pour enlever les effets sur toi. Je crois que c'est que Non, les effets techniques, pas. c'est sur les alliés, a priori. Bah sur toi et sur les alliés, oui, mais... Parce que sur... Non, que sur les alliés, parce que sur toi, t'as la détermination qui annule tous les effets, quoi. Non, ça annule pas, les stacks que tu peux enlever, alors que ça le fera. Le cure, D'accord. tu peux l'utiliser sur toi. Ok. Utilise à 99% du temps sur moi, je dis 99 et pas 100 parce que dans la dernière opération, je fais que du coup j'ai besoin de l'utiliser. Parce qu'il y a certaines classes qui ne peuvent pas curse. Et comme moi je peux le faire aussi facilement qu'un healer avec mon Merco. On m'assigne souvent une personne, un autre DPS à des curses. Ah bah En plus de moi. ça j'ai l'habitude, je connaissais sur WoW, non les raids en HM c'était régulier ce genre de choses, les man protect des paladins des pales DPS c'était assez souvent quoi. Allez sur Utah. Attention. Si je te dis qu'il me Alors, reste les... Kikmi me demande, salut, je ne connais pas le jeu, quelle classe tu me conseilles pour commencer en Empire? Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu as déjà joué à un MMO, tu dois connaître ce qu'on appelle la Trinité. Donc c'est soit tu veux heal, donc soigner les autres, soit tu veux tank, prendre des dégâts et être très résistant, soit tu veux être DPS, faire du gros dégâts. À partir de là, je pourrais te donner plus Voilà. d'indices. Et dans ce cas-là, il faudrait me dire si tu veux être DPS, si tu veux être DPS distant ou corps à corps. exactement. Tac tac tac. Ah purée, je suis obligé de tout refaire à patte. Enfin, aller jusqu'au spatioport parce que j'ai rien de up, ni mon laissez-passer d'urgence, ni mon voyage rapide. Ah bah ouais, bah bonne chance. Est-ce qu'il faut aller sur Hut? Hut. Et où là, je comprends pas. Ah, c'est là-bas. Oh. Ah, attends 2 secondes. J'ai vu que tu m'as répondu, Kick Me, mais 2 petites secondes. Voilà. Alors, Kick Me. DPS, DPS distance. Alors, je te conseillerais. Sorcier, ça peut être drôle. Mais si tu veux faire du gros dégâts, je te conseillerais à ce moment-là plutôt tireur d'élite. Donc, pour tireur d'élite, tu commences par un Chasseur agent de... secret. Un agent Pas secret. par un agent secret, par Un chasseur de prime. un agent impérial. Un agent impérial. Ah oui, c'est un agent impérial. Oui, parce que l'agent secret, c'est en fait la classe avancée. Oui. Donc, tireur d'élite serait ma. Comment dire? Ma suggestion. Alors, Billy, il y a encore de la communauté sur ce jeu? Oui, carrément. Il n'y a que Rava dans le jeu qui reste. Non, mais Rava, c'est bien, mais c'est pas useless forcément. Salut Morgo, à plus. Dommage que ce soit passé en free to play. Non, pas forcément. Pas forcément parce Non, que. parce Alors, que je je vais te vois dire, le j'aime pas le pire. free to play, il faut le prendre comme une version de démo seulement. Exactement. Et donc oui, ça a ramené beaucoup de joueurs, beaucoup de gros noobs, on est bien d'accord, mais il y en a qui se sont très bien adaptés et intégrés, et qui maintenant payent un abonnement et qui ont les avantages. Ça a juste fait découvrir le jeu à beaucoup plus de monde. Pas une mauvaise chose en soi. Et je pense que sans le free to play, le jeu, il y a des chances qu'il soit mort. Possibilité. Maintenant, je sais pas, je connais pas les chiffres exactement, mais donc quand même, y a une grosse vague de déception de ce jeu parce qu'il y a des attentes qui étaient gigantesques au départ. On l'appelait le WoW Killer, comme on a appelé beaucoup de jeux WoW Killer, hein, mais celui-là était quand même celui qui a le mieux réussi, je crois, au départ, en tout cas qui est le meilleur lancement. Les gens aimaient bien l'univers, les gens ont bien réagi. Donc vraiment, il y a une vraie attente et il n'avait que 2 raids, par exemple, donc c'était moche.
Il y avait que deux raids, il y avait trop peu de contenu haut level. Même si tout le monde a adoré la phase de PEX, les gens n'ont pas voulu attendre la mise en place de plus de contenu. Ça manque, Mais c'est quoi ça là en manquait fait? clairement de contenu. Faut aller sur Utah. Moi, si Allez faut que sur je... Corriban, non? Toi, tu vas sur Corriban? Ok, donc moi je vais sur Utah. Donc cette partie qu'on doit faire chacun de notre côté pour l'instant. Salut Clochette! Salut Clochette et puis salut Bourri aussi, il y a Bourinator qui est déjà là. Brunator est là? Ah bah oui, Ouais. Brunator est là. Alors, Kikmi qui répond, ok merci, c'est ce que je voulais faire au début en fait. Ah bah parfait! T'avais comment dire, les bons instincts. Et oui, deux OP lorsque j'ai fait ma pause. Ouais, bah oui, Destiny, ça je te comprends très bien. Bah, deux OP quand t'as fait ta pause, alors du coup tu vas découvrir 5 nouvelles OP, ce qui est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aimerais être à ta place pour être franc. Je vais aller. J'aimerais pouvoir redécouvrir toutes ces opérations. Je vais en profiter d'être à la flotte pour rendre mes quêtes de la ZL. Oui, vas-y. Surtout que le contenu ne sortait pas vite au début, mais maintenant les mages sortent beaucoup plus souvent. Exactement, par exemple. C'est qu'ils ont, ils ont compris quand même l'erreur. Ils l'ont sorti trop tôt, tout simplement. Il leur est sorti 3 mois plus tard avec une opération de plus. Ça a peut-être passé. Parce que l'opération est arrivée en effet 3 mois plus tard. Ensuite, l'autre opération encore, je crois, 3 mois plus tard. Enfin, voilà, c'est même plus que ça, je crois. Adation, elle a mis du temps à sortir. Ensuite, ils ont mis les modes Nightmare qui étaient sympas parce que ça te donnait vraiment comment dire, un défi pour le coup. Le Nightmare, ça pique un peu quoi. En plus, le problème, c'est qu'avec deux opérations, bon, j'ai envie de dire, soit, admettons, deux opérations, très bien. Le problème aussi, c'est qu'elles étaient extrêmement faciles. Extrêmement faciles et extrêmement buggées. Donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Oui, j'ai repris depuis plus d'une semaine déjà et ça a bien changé dans le bon sens. Exactement. Bah, ils ont compris leurs erreurs. Je veux dire, ils sont pas bêtes non plus, hein. Ils ont compris ce qu'ils ont fait de mal et ils essayent de le corriger. Là, le fait de nous sortir deux opérations en même temps, j'avoue qu'on a attendu quand même pas mal de temps, hein, pour de nouvelles opérations. Parce qu'on était quand même sur. On a eu Azacian, ensuite on a eu Darvanis avec la 2.0, mais depuis la 2.0, on était un peu en train de tourner sur les mêmes opérations, donc ça recommençait à devenir un peu saoulant. Ils ont sorti le Nightmare, donc on s'est dit, ah, va rester quand même. Et ensuite deux nouvelles opérations, et alors là t'es ouh! Bon, nous on les incline déjà en HM, mais les PGM, c'est tout! Salut test! Et sinon, bah, c'est vrai que rajouter du contenu comme ça, c'est quand même très sympa. Bon, maintenant c'est mon avis, hein. Chacun son avis. Les joueurs PVP, c'est vrai, ont été très déçus pendant très longtemps par le jeu parce que les développeurs ont bien compris que l'intérêt pour garder les joueurs serait plus d'aller vers le PVE que vers le PVP. Il y avait plus de boulot à faire niveau PVP que niveau PVE. Et du coup, ils ont un peu laissé de côté pendant un petit bout de temps. Pas cool, on est bien d'accord, mais bon. Corriban, ok. Et à partir de là, les joueurs PVP, ils ont eu une map de temps en temps. Enfin bon. Ah tiens, Et encore. tu peux le faire en Et les arènes. tu peux le faire en Les holo arènes. appel ou pas toi? Non. La conversation. Non, du tout. Bon, Mon je la vaisseau, démarre. je... D'accord. Ah, vas-y. C'est pour rendre la quête hein, de la ZL. Salut mon petit barbu, salut ma mémé en pédalo, dit Clochette. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis le barbu. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que tu es la mémé. Oh là, il y a eu un gros net split là sur le sur l'IRC. Tout le monde qui a été déco. Ah oui. Ah oui, oula. Ah bah y a toi aussi qui a été déco. Moi je me vois Rocco. Je te vois déco. On sait jamais, est-ce que tu me vois déco? Toi, je te vois déco, mais ce que je vois encore du monde dessus, donc Moi, je vois
Coca-Kiwi, Luchinko, Lord DVD et Aderwan Deco. En fait, je vois tous déco, sauf En ça. fait, je crois que c'est très simplement tous ceux qui sont OP de base se sont fait déco. Non, pas que, moi j'ai eu tout le monde qui était. Attends, je vais regarder. Oh, il y a du net split Ah non, il y a partout. Tibouton qui est encore là, donc théoriquement. Bon, je me déco. Je vais essayer de Marco. Tac, tac, tac. On les trouve où les shops qui vendent du orange? Non, tu dois l'acheter à l'HV. Donc tu vas au marché galactique dans la flotte Mugui. Et t'en auras des pas chers. Mabar BGM, c'est un grand mot, mais pas du tout. Non, non, Cette semaine, la c'est bien saison 1 vous de PVP a qui. démarré. Ouais, Bourri, je vois ce que tu écris, hein. C'est vous qui êtes déco, hein. Là, je me suis reco, hein. J'étais bien toujours co en fait, hein. Bah écoute, moi je suis encore en train de discuter avec eux là, donc ça c'est ça que je ne comprends pas. What? Genre moi j'ai Kirikou qui vient d'entrer dans le chat par exemple. Bienvenue Kirikou. Pire. Ah bah non, ça y est, tout le monde a été déco. Voilà. Ok. Oh, je suis passé 25 en fait. D'accord, ok, attends Au 2 secondes, passage. hein, j'essaie de voir ce qui se passe. Non, c'est le serveur QuakeNet qui déconne. C'est quoi, je me déco avec des personnes. Hello, ancien joueur de Swotor dans les débuts, ce jeu vaut-il le coup de revenir dessus, étant un fan de PvE, donc cherchant une communauté PvE stable et active? Oui, la réponse est oui. Il y a une communauté stable et active de PvE et il y a beaucoup plus d'opérations qu'au départ. Tu as aujourd'hui, à l'heure actuelle, 4 opérations au niveau 55 et 3 au niveau 50. Donc oui, ça vaut le coup. En plus aussi, j'en ai pas parlé, il y a une mini-opération. Mais c'est un boss tout seul dans une instance, donc ils appellent ça mini-opération, mais bon. Un boss. Ouais, mais il y en avait des comme ça aussi sur WoW. Je pourrais t'en citer pas mal, hein. Alors attends, là je suis revenu, j'en vois plein de reconnectés. En fait, moi je me vois toujours co seulement avec Bourinator. Le truc il déconne vraiment là, je crois. Moi je suis revenu avec Jack, Wolgul, Timouton, Q, Ous, Mugui, Rugs, Shaira, Terra, Terra. Oui bah écoute le chat, tout le monde est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui est dessus ou pas? Sur le là où tu es Lui est connecté. connecté. Ok, bon. Le Qbot. Je vais me redéco, je vais fermer mon script IRC et je vais le relancer. T'as donné le statut de créateur canal à Q M Timut. Bon, Ouais, ça bug bien. ça bug bien parce que là je me reconnecte encore à nouveau et j'ai Luciano, Lord DVD, Coca Kiwi, moi et encore Lord DVD. Et t'as pas Q. Non, ça bug Mais à oui, je continue à mort. recevoir des MP. Et quel est le serveur PVE le plus peuplé? Bah, c'est simple, les serveurs PVE, t'en as qu'un. C'est Mantle of the Force, celui où on est. T'as un serveur PVP où t'as aussi une communauté PVE, notamment t'as la meilleure guilde française Sticks. qui est sur les Frogs, qui est sur le serveur PVP. Alors, on va savoir pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ah, où est-ce que je dois aller? Ah, je dois aller là-bas, ok. Et sinon, bah sinon, Mantle of the Force, hein. Là, t'auras la plus grosse communauté PVE, on va dire. Ah mais oui, je vais retourner sur Uta et Ah ça y est, ça a revenu le. T'es revenu? Ouais, là je revois tout le monde. Sauf toi. Ben ouais, moi j'ai des signes qui est là, moi je vois plein de gens aussi, mais tu vois Timouton par exemple? Oui, j'ai Q, Timouton, tout le monde, j'ai Clochette. D'accord. Mais le truc il bug un max quoi. Oui. Allez, ah c'est là, ok. Bon, je ne comprends rien. Mais c'est pas grave. Oula, ouh, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Oh. En fait, faut que je retourne sur Uta, c'est la planète de base, quoi. J'avais pas capté. Et tu me l'as dit pourtant tout à l'heure. Oui, mais j'avais pas capté que c'était celle-là, quoi.
Alors, par contre. Je fus juste. Bon, en tout cas, le stream va bien, donc c'est que le. Ouais, je l'ai utilisé. Et bon, alors, par contre, on va sortir Kemval parce que ça sent le. Ça sent le pourri. Remougouille, bah oui, je suis désolé, hein, on a été un petit peu. Je me dis qu'est-ce qui s'est passé avec je le me chat. recours. Alors, kick me. Oui, j'ai vu ça. Kelly va nous accompagner. Bah, tant mieux. Ne penses-tu pas que passer le jeu en free to play, c'est l'abandon du jeu? Non, c'est l'abandon d'un modèle. C'est l'abandon des comment dire c'est l'abandon des ambitions qu'avait ce jeu d'être un vrai rival de WoW. Voilà. Et je pense pas que ce soit plus que ça. Et je pense que c'est honnêtement, je pense hein, l'avenir de tout jeu vidéo. C'est que t'auras un mode free to play. Bah le système économique à abonnement est devenu compliqué à garder et viable à quoi. Il faut un sacré paquet d'abonnés quand même pour que ça reste viable. Pour un sacré paquet d'abonnés et il faut surtout oui, parce que c'est quand même des équipes. C'est ça aussi, il faut se dire que les MMO c'est des jeux qui sortent, ils sont pas finis. Ils sont jamais finis au passage. Mais ils sont pas finis. Salut Jamo Suprême au fait. Ah bah là, et donc, on voit les mêmes personnes qui se connectent, mais je te vois pas. Ah, d'accord. C'est ça qui est bon. C'est du bonheur. Et donc oui, ça demande des équipes assez, assez impressionnantes derrière pour continuer le développement du jeu, pour ajouter... des OP pour ajouter du PVP, des maps, du contenu, des quêtes journalières pour garder le jeu intéressant. Parce que tu vas pas continuer à payer un abonnement si le jeu reste statique de toute façon. Maintenant, comment est-ce que tu ramènes des joueurs? Généralement, les joueurs n'ont pas spécialement envie de payer pour jouer un jeu au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a des jeux qui sont gratuits, qui sont très bien. Donc il faut bien les attirer d'une façon ou d'une autre sur ton jeu, et la façon qu'ils ont trouvé la plus simple pour le faire, c'est finalement de faire du free to play. Alors moi par contre un truc que je n'aime pas dans les jeux vidéo actuellement, c'est l'histoire de payer pour avoir un accès bêta, même des fois ah oui, alpha. Ça c'est hallucinant, d'accord avec toi. Là, je comprends débile. Pas ce modèle économique, quoi. Et c'est des personnes qui ont simplement pas les capitaux au départ pour développer leur jeu. Donc voilà, qui cherchent à lever des fonds en se mettant en alpha et puis sortant le jeu, quoi. Enfin, je trouve. Je trouve ça un petit peu ridicule, pour ma part, mais bon. Ouais, je suis entièrement d'accord. Bon allez, faut que j'aille aller sur le lieu des enchères. Où se trouvent les enchères? Ceci est la question. Bon, moi je vois toujours bourri. Je sais pas, c'est bizarre. Et moi je le vois bourri. Hein. Et je le vois aussi, mais je te vois pas. Et what the fuck quoi.
En plus, je vois pas. Oh, voilà. Tout d'abord. Oh, bah, je l'ai tué, lui. Et le terminal de votre vaisseau. Oh. Ok, et puis y a pas de voyage rapide pour là-bas. Ouais. Ah, tiens, voyage rapide, t'as raison. Ouais. Il existe plusieurs types de free-to-play, c'est vrai. Ouais, y a plusieurs types de free-to-play. T'as le free-to-play démo, comme oui. Star Wars. Le free-to-play premium, oui, enfin voilà, c'est, t'as plusieurs. T'as le free-to-play, oui, vraiment free-to-play, où c'est que si tu veux acheter, c'est juste pour des bonus visuels, où tu peux quasiment tout avoir, sinon, à part les bonus visuels, tu peux tout avoir en jouant. Un peu oui, comme sur les MOBA principalement. Sur LOL, hein, les personnages tu peux les avoir juste en jouant. Les skins par contre faut payer. Et après tu as les pay to win. Oui. La décadence du jeu vidéo. Alors j'ai Kikmi qui me dit oui mais Warhammer Online, fermez les portes, fermez les serveurs, j'ai peur que SWTOR soit fini dans quelques temps. Je ne pense très sincèrement, je ne pense pas que ça va être fini d'ici peu. Hein. Star Wars. Non. Il y a quand même une bonne grosse communauté qui est restée et pour le coup je crois que ça prend des abonnés et que ça n'en perd pas. Le seul truc qui m'a saoulé dans SWTOR, c'est que j'ai payé 150€ le jeu. Ah oui, d'accord. Et que maintenant, tout ce que j'étais censé avoir en tant que privilégié, tout le monde peut l'avoir pour pas cher. Ah ben, oui, mais enfin, moi, tu vois, j'ai jamais eu la version collector. J'ai toujours pas accès au truc en haut de la flotte. Hein. Mais bon, je t'avoue que dès le départ, je voyais bien que ça faisait pas grand chose le coup de. Tu allais où alors, du coup, maintenant? Ah, parce que sur, dans le collector, t'avais un collector à 150€, oh la vache. Ouais, ouais, t'avais un gros collector. Bon, t'avais je suppose, des trucs, c'était en version boîte. C'était en version boîte à 150€. Ah oui, c'était une belle boîte, je crois. Il me semble bien que c'était une belle boîte, t'avais un beau truc, quoi. Ah, ça y est, je te revois. Et je te vois, hop, par contre, moi, il a pas voulu me re-hop. Alors, est-ce que je te vois? Non. Je te vois, mais alors, par contre, je vois personne parler. Le coordinateur dit, mon client IRC veut rien savoir, obligé de passer par le classique bizarre. Attendez Wildstar, vous allez pas le regretter. Ah, moi, mais je ne regretterai pas Wildstar, hein, ça c'est certain. Enfin, bon, je dis ça, on verra bien, mais je le tenterai en tout cas, Wildstar. Ouais, je suis chaud patate. Salut Guts! Comment ça va, mon petit Guts? Alors, où est-ce que je devais aller? Corriban? Non, non, toujours pas. Choupa choup. Oui, juste elle était facile, mais. Ah non, mais Brunator, ne m'en parle même pas. J'ai vu que t'avais marqué ça, je sais plus à je sais plus quelle heure. Faut pas m'en parler parce que moi ça va. Je l'attends comme le Messie. Hein. Donc voilà. De quoi, Wildstar? Ouais, enfin, moi et surtout la. Comment dire? Ah, c'est Alderaan, on doit aller sur Alderaan? Sérieusement? Ah ouais. Bah, t'as tout win! Et Wildstar, tu pourras payer ton abonnement avec les crédits in-game. Bon, faudra oui, farmer comme un porc. Faudra, à mon avis, oui, beaucoup d'heures de jeu, quoi, mais. Moi, je suis pas fan. Tatooine. Tatooine, tout au sud. Ah, ensuite, hein. Mais je sais pas où t'en es, toi, non, t'inquiète. Bah, je viens de tuer tout le monde là aux enchères. Ah, mais je suis sûr que je vais kiffer Burinator, mais moi, c'est celui que j'attends, tu vois. Je pense que s'il y a un jeu qui peut dans le futur me faire lâcher Star Wars, et alors je parle au conditionnel, hein, parce qu'il sort en printemps, je crois, 2014, enfin bon, c'est pas tout de suite, hein. Bah en tout cas celui qui tente vraiment vraiment c'est Wildstar. Ensuite on verra, hein, à que pourra. Non, moi celui que personnellement celui que j'attends vraiment c'est Tezo. Oh non. Ah si. Ah Tezo c'est du first person, ça va être horrible. Non, c'est pas du first person.
Ah, t'as pas vu les... Moi j'ai vu les trucs et ça va Non être mais... sur console aussi. Ah je ne dirais pas ce que tu m'as dit en Wisp Brinator, mais oui. Ok merci pour toutes ces réponses. Pas de problème Kick Me. Kirikou, dernière question. Non mais t'inquiète pas, tu peux poser autant de questions que tu veux, je suis là aussi pour ça. Hein. Si je reviens sur le jeu, je pourrais l'apprécier autant qu'avant sans me réabonner ou c'est une obligation pour l'apprécier vraiment? Mais tu vas être bloqué un petit peu, enfin tu vas être limité Tout en dépend ce que fait. tu veux faire. Oui, tout dépend ce que tu veux faire, c'est vrai. Si tu Je veux veux juste faire faire du texte du tranquille. pex tranquille, no problème. Ouais. Ça, tu vas trouver ton bonheur, ça va suffire largement à ce que tu voudras faire. Par contre, si tu veux faire du HL et tout, du PVP, machin, là tu oublies quoi. Parce que c'est pareil aussi, il y a des réglementations aussi pour rentrer en ZL, en OP, je AD, je te crois. vois. AD, je te vois Ah, encore tu sur me le chat. revois. Et j'ai rien fait hein, de plus hein, en fait, j'ai pas bougé. À 20h13, AD, nous voyons. Ah, je sais pas, toi tu me vois ou pas? Ouais, mais moi j'ai pas bougé, je te vois depuis tout à l'heure. Mais par contre, moi je suis pas OP, toi tu dois l'être normalement toujours, je te vois toujours OP. Ah, alors je suis. Bah, tu veux que je me mette OP? Bah vas-y, parce que tout à l'heure, enfin, ça buguait, donc... Ah, Brinator aussi. Bah alors DVD aussi, j'imagine. Bah il en a un OP, je vois les deux OP en Ouais, en fait. fait. Enfin, j'en vois un des deux OP. Et Wolgul, je lui donne la parole, c'est ça? Ouais. Ah non, mais je peux même pas lui faire en plus. Si, normalement, tu dois pouvoir faire. Je pouvais pour toi. Attends, action de l'opérateur. Ah oui, donner la parole, c'est ça. Ok, Oula, non, oula, oula! c'est bon, c'est revenu Q ma hop. Voilà, ça vient d'être rétabli en fait. J'ai rien compris, là j'ai eu. Ouf! Il y a 50 000 trucs là! Ok. Bon, vive le chat! La L'autre, Taouine! Me ouais. voilà! L'autre, j'ai. Ben, il est dans le. Ils l'ont rajouté dans le bundle là. Et du coup, je vais le tester. Je sais pas, je vais voir parce que maintenant il est pareil, il est passé en free to play. Je crois, il n'y a plus d'abonnement. Je vais le tester, hein, je l'ai. Tester, hein. Mais Guts, je crois que je l'ai testé. Mais alors, je te dis tout de suite, je crois que j'ai fait 4 levels, tu vois. Et j'ai pas du tout aimé la maniabilité. Mais c'était. Ouais, quand il est sorti, je crois. Et j'ai pas du tout aimé. Et faut dire que j'ai mis du temps vraiment, alors que franchement, c'était un type de jeu que j'aimais bien. Mais j'ai eu du temps à vraiment m'adapter au MMO. Parce qu'au départ, j'étais vraiment pas. Tu vois, WoW, j'ai pas aimé au départ. Mais j'avais bien aimé Dark Age of Camelot. Pardon, j'étais très difficile comme ça. Alors, Ok, ok. Mais je suis mort. What the fuck? En fait, Mako est morte et je suis mort aussi, en même temps. tu es où? Dans le truc, dans une zone pour les enchères, machin. What the fuck? J'ai fait one shot parce que t'es allé du côté républicain. C'est Non, ça? non, il y a des mobs pour sortir et en fait, Mako s'est fait tuer. Et en fait, quand Mako est morte, je suis mort. Alors que j'étais full life, je crois. Enfin, faudrait que je regarde, hein. Ça se trouve, j'étais aveugle, je regardais pas ma vie, mais. Possibilité. C'est une forte Mais ouais, possibilité. en plus, j'ai une Hollandaise Twi'lek tout le temps dans mon inventaire. Ah bah écoute, chacun son truc. Mais donc t'étais pas du tout en fait, mais du tout sur Tatooine. Non. D'accord. Ah non, non, Bon, moi je pas suis encore, sur moi Tatooine. je suis encore sur Utah, moi. Ok, bah, je vais aller prendre le point de res et je t'attends. Oula, en fait, non, mais je prends mes ultra cher. Regarde quel level ils sont. Regarde si tu prends, pour te 24? planter. Non, je vais mourir. Ah, et mort. Oh là là, oh là là, oh là là, 5, 4, 2, 1, hop, voilà. Mais je comprends pas, c'est que les mecs ils sont pas ils sont 24, ils ont 3700 PV. Est-ce qu'il y a.
fait une mort vénitienne. J'ai fait déjà, mais j'ai l'impression de pas DPS quoi. Ils sont forts, ils sont pas forts. Est-ce que tu. T'es stuff n'est pas rouge, enfin je veux dire, t'es niveau réparation, t'es. Longévité 97 sur 120. Non, j'en suis loin. Ça devrait être bon. Moi je sais pas, ils étaient 4 là, j'en ai tué 2 déjà sur les 4. Bon, je reviens ce coup-ci, mais. Bon bah, du coup, moi je vais faire un peu de rangement. Hein. Parce que. Même Mako elle se fait déchirer. J'ai pas compris. Oui, mais alors Mako, si tu l'as pas stuff, c'est normal. Hein. Au bout d'un moment, les pauvres, déjà mon tank qui prend super cher. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est pas stuff énormément. Ouais, on est pas très sympa avec eux, quoi. Faudrait que je pense tout, à les stuff. Maddy, je vois pas de quoi tu parles là. Ah, mais je t'ai pas dit bonjour, Ryu, bonsoir plutôt, bienvenue sur le stream. Il nous reste combien de temps? Il nous reste encore 40 minutes, ça va, hein. Tu retestes ton client hier, c'est pas de problème, bourré, t'inquiète. En fait, c'est l'homme de main du soleil noir là qui m'a fait pas mal de dégâts, je trouve, en fait. Ok, ça y est, je l'ai tué. Mais OMG. Parler avec Judas, ok, il va me trahir. Judas? Ah bah tu me diras, c'était avant le Judas. Allez, il faut que je retourne. Dans 40 minutes, le stream de Wildstar non interdit. Ah bah oui, non, mais c'est une présentation de classe. Non, pas toi, Brunator, bien entendu. Mais voyons, comment pourrais-tu stream Wildstar? Il est pas encore disponible, voyons. Brunator. Voyons. Ça serait pas très correct de dire que t'as déjà un accès anticipé et que t'as déjà joué à Wildstar quand même. Le mettre dans l'embarras. Oh, Kalden est là! Bah, Kalden, regarde! Comment ça va, Kalden? La bouteille est sur la table, mec, elle t'attend. Bah oui, écoute, mais bon, là je suis en train de bosser, qu'est-ce que tu vois? C'est vrai qu'il fait soif là. Ouais, il fait soif hein. Et ouais, et moi ce soir je vais voir mes viewers, tu vois, comme quoi. Ok, tu le fais raquer, tu te fais inviter quoi, en fait, c'est ça? En gros, sauf que j'ai gagné la bouteille d'alcool Fair and Square. On a fait un PVP, on a dit c'est... Oh, y'a Neltawin! Salut Neltawin! Il est juste là devant moi. Avec son 55, il est venu crâner. On dit s'il te plaît, Bourri. Pour être réop, hein. Ça se réclame pas en plus, ce genre de choses. Hein. Attends, je vais le faire. Ça y est, ça y est. Attends deux secondes, me tape pas Neltawin, pas encore. Où est-ce que t'es? T'es pas assez rapide. Hein. Ah, tu l'as fait? Ah, oui. Allez, attaque! Résistance. Hein. Résistance, ah, ok. 229, ouais! Résistance. Allez, meurs! Wait. Ah non, il m'a flash. Bon. Mais quand c'est que mes quêtes sont si longues que ça quoi, par rapport à toi? J'hallucine un petit peu quand même. Et ça, c'est être beau gosse ou ne pas l'être. Hein. Bon, ça me fait plus d'XP, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais bientôt passer 26. Je, hein. Je pense que je serai Oum avant de pouvoir tuer Neltawin. Et stun. Ah, je t'ai stun et t'as fait une résistance sur le stun, ça c'est pas mal. Il est en train de danser alors que je suis en train d'essayer le DPS, hein, pas mal. Vous n'êtes plus impliqué maintenant. Bien, mange. Non, bubule, non. Ouf, je suis pas mort. Non mais c'est sérieux? Faut que je retourne sur Dromunkas. Il y a des moments comme ça, il y a des quêtes de classe un peu chiantes, disons ça comme ça. Les CC dans le jeu sont abusés. Bah, en PVP, à un certain moment, surtout PVP au level, ça devient un peu n'importe quoi, je suis d'accord, les CC. C'est-à-dire que tu passes ton temps à être CC.
Et tout joue là-dessus en fait, sur le contrôle. Ah non, mais non! Lance sa frappe orbitale. Genre un tic, je suis mort. Ah, les CC, c'est comme Rogue sur, sur WoW, quoi. En gros. Il te CC, il te tape, après il disparaît, il se heal, il se full heal, après il réapparaît, il te CC, enfin, il te CC, hop, il tape, il disparaît, il se full heal. Ah, je peux aller directement dans mon vaisseau pour aller dans mon casse. Bon app, bourri. Vas-y, 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 Neltawin, on va voir si avec mon bouclier ça tient. Ouf! Ah, ouais, tu peux faire un BG entier sans avoir rien fait de la partie. Oui, tu t'as FK cimetière. Hein. A tout à l'heure, préparez-vous car ce soir on va bien rigoler. On va faire du Amnesia et du Monique, bien sûr, bien sûr. Mon dieu. Ah bah tiens. Et on est reparti pour Dromunkas. Ok, pourquoi est-ce que je... GG, énormément comme ça. Ah, il est avec son tonton, il crâne. Bah, regarde, moi j'ai le truc parce que j'ai parrainé quelqu'un. Tiens, t'as pas ça hein? T'as pas ça hein? Par contre, j'ai toujours mon sabre laser alors que je suis dans mon vaisseau. C'est magnifique. Non, c'est juste que t'es pas bon. Eh, ça va, Guts. Greg, non, l'agent DPS est toujours. Il apporte rien au raid et il apporte rien au raid malheureusement. Et il DPS comme une moule enragée. Ah non, il est bon en PVP. Ça c'est vrai, il est bon en PVP. Il peut vraiment faire quelque chose, mais en raid, en fait c'est simple. Un raid lead généralement te dira ouais, enfin si tu peux plutôt te mettre heal. C'est-à-dire que c'est un très 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 bon heal. Donc bon. Moi, je vais avoir passé une demi-heure à faire que de me balader d'un endroit à l'autre, quoi. C'est génial. Eh, c'est pas grave. Pour l'instant, là, je fais des duels que je peux pas gagner. Avec un bon cycle. Ouais, mais tout est une question de cycle, hein. C'est comme sur Star Wars. C'est une question de cycle, savoir exactement quand utiliser ton détaunt, savoir exactement quand utiliser tes capacités, connaître aussi le cycle des autres pour pouvoir anticiper. Donc c'est surtout ça. Hein. Comment ça, il est vraiment moche son stuff, il est magnifique. Je te raconte. Merde. Quand même le casque le plus OP de tout le jeu. Non, je déconne, c'est vraiment le plus moche. Non. Ouais, toi t'as le petit cure-dent. Hein. Ah ouais, c'est la classe moi. Il y a aussi un truc dans Star Wars que... Oui, mais j'ai le village people à côté, oui, mais bon, voilà. Bah, regarde, ça c'est l'Indien et l'autre c'est le. C'est lequel là, celui qui est en cuir? Y en a aucun en cuir, je crois, dans le village people, merde. Ah, sur WoW, ah, le duel de l'infini, druidil versus war tank. Ah ouais? Ah ouais. Mon dieu. Ça termine jamais? Non, parce qu'ils se régènent tellement l'un comme l'autre. Enfin, le druide peut se régénérer en mana, se heal. Le Wartank il prend pas beaucoup de dégâts et puis il peut se heal. Enfin, à moins que ça ait changé depuis, hein, mais.
Ouais. Un stuff équivalent. Ah, le flic est en cuir, ok, bon bah voilà. Le cure-dent qui coûte un bras, l'HV, il est riche le mec avec toi, mais tu l'as acheté combien ton cure-dent toi? Je sais pas, 20 000, un truc comme ça. Oh bah ça va! Ah ouais, non, j'ai pas payé cher hein, tout mon stuff. Alors les 1, 2, 3, bah attends, on va voir ton stuff, hein. Regarde, Delta Win. Alors, 69, 66, 66, 69, 66, 66. Oula, 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 l'arme secondaire, ça va pas là. Le canon d'arme secondaire. Pourquoi est-ce que t'as un canon? Je pense qu'il y a un manque de skill évident là à un moment, mais bon. Un canon sur un couteau? Ouais, ça? Ok. Bah, l'arme principale aussi, hein, c'est du bleu. T'as un canon sur les couteaux? Ah bon? Oh bah, tu vois, je savais même pas. C'est-à-dire que j'ai jamais joué cette classe. Ouah, c'est mieux là, les implants aux oreillettes, ça c'est bien. Par contre, ouais, les armes. Ouais, L'arme, non, c'est pas terrible. c'est 25, tu pourras pas encore, je peux pas pouvoir te donner encore l'implant tout de suite. Oh, c'est pas grave. Mais il faudrait aussi que tu commences à penser à faire des améliorations. Donc prendre des kits d'amélioration type 9 pour mettre des améliorations dessus. Même des améliorations bleues, ça t'augmentera bien ton stuff, Neltawin. Greg qui demande quelle est la meilleure classe pour DPS CAC s'il vous plaît. Oui, bah exactement, Guts a très bien répondu. C'est le Aussi maraudeur. maraudeur. Le maraudeur fera le plus de dégâts. Et un bon site en PvP peut défoncer n'importe qui, même versus 2, 3. 3 peut-être pas, mais 2 tu peux le faire. Si les mecs sont pas super forts en face. Hein. Normalement, bon, t'as contrôle, 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 et puis bon. Mais ouais, 2 tu peux le faire. J'ai déjà fait. Oh, c'est cool, il me donne Deltawin qui dit faux. un implant que Il je donne peux quoi? utiliser, un implant que je peux utiliser tout de suite. C'est cool. Bah cool. Deltawin qui dit faux s'il veut du burst Rava DPS. Le Rava DPS c'est pas mauvais, mais pour moi celui qui fera le plus de dégâts au final, ce sera le Maro. Par contre en PvP, et même parfois en PvE, mais bon c'est plus rare, le Rava a un avantage dans le sens qu'il en PvP il a ses taunts déjà, donc il peut faire de la protection sur ses alliés. Et il a beaucoup de contrôle. Contrairement au Maro. Alors, ça me dit d'aller soit sur Tatooine ou sur Alderaan. Et le Rava te one shot pas. Pas déconner non plus. Excusez-moi, un assassin spécac fait super mal tout de même, c'est vrai. Je me demande s'il n'y a pas meilleur des PC. Non mais de toute façon, l'assassin en PvE pour le moment t'oublies, hein. Ça sert pas à grand chose. Ça fera un DPS en dessous et non, franchement c'est pas opti, loin de là. Maintenant ils veulent le up parce qu'ils se rendent bien compte qu'en PvE il y a un problème. En PvP c'est un très 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 bon jeu perso, hein. Très très bon, clairement, même j'ai envie de dire l'un des meilleurs. Mais franchement en PvE. Alors le Rava DPS aussi t'envoie parfois en PvE, notamment la grosse guilde qui a fait le gros down de ces derniers mois, qui était les gardes d'effroi en Nightmare, qui était une opération très dure et qui a été nerf ensuite parce que vraiment même les meilleurs guildes galéraient complètement à le faire. Les premiers à l'avoir tombé avant que ce soit nerf avaient un Rava DPS dans un groupe de 8. Donc t'as 4 DPS, ils avaient quand même un Rava DPS. Donc ce qui veut dire que c'est loin d'être useless. Hein. C'est très très bon, mais juste. En fait, l'avantage qu'a le Maro par rapport au Ravageur, c'est qu'il a la soif de sang. Et à tout le groupe, et qui augmente la DPS de tout ton groupe. Voilà, tout simplement. C'est le vrai avantage en PvE, en tout cas, que le Maro a sur le Rava. Donc t'es sur Tatooine, c'est ça, hein? Je suis sur Tatooine, ouais, je suis dans le spatioport de Tatooine. Ok. Ça devient n'importe quoi quand même, la Répu sont tellement plus forts que l'Empire en PvP.
Je suis pas forcément d'accord. L'Empire fait n'importe quoi, il court partout. Ça arrive. On parlait avec ma guild et un mec a dit qu'un Rava en vrai a fait un 10k en choc en CC. Tu veux dire en PVP? Ouais, oui, ça m'étonne pas. Hein. Les chocs. Non, ça m'étonne pas du tout. Hein. Mais j'ai vu aussi des marauds annihilation faire des 10k, plus de 10k sur le dernier tick du saccage. Pour jouer dans la répu, j'ai envie de dire le contraire, Guts. Le transfert de personnages est disponible, mais il coûte assez cher, puisqu'il te coûte 1800 pièces du cartel, si je me plante pas. Donc voilà. 1800 pièces du cartel, c'est pas mal. Moi, tu vois, j'économise depuis un petit bout de temps, et je suis à 1715. Donc je peux même pas me payer un transfert de un perso. Ça fait cher quand même. Ça fait très cher. L'équivalent, je crois que quelqu'un avait calculé, c'est 17 euros ou un truc comme ça si tu veux transférer un perso. Ouais, en fait, non, du les coup. pièces comme ça. Du coup, non, c'est même tarif que sur WoW. Sur WoW, transfert de serveur, c'est 20 euros. Et transfert de faction, c'était 25. Ah oui, 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 quand même, c'est pas mal. Guts, Gand, dis-moi, vous recrutez et c'est quoi le nom de ta guilde sur Dark? Sur Dark, je veux dire, Dark Nihilus, j'imagine. Sur Dark Nihilus, la guilde dans laquelle je suis, c'est la guilde Kalden, je crois qu'il est toujours dans le chat, si je me plante pas. Oui, il est toujours là. C'est la guilde Kalden, c'est le Triad Imperium. Mais bon, c'est pas ma guilde en soi, il m'a juste invité pour que j'ai le bonus plus 10%. Je joue sur Mantle, sinon, ça c'est mon main serveur. Et ma guilde, bah, c'est celle dans laquelle je suis, c'est les Styx, tout simplement. Et est-ce qu'on recrute bah, je sais pas pour les Triad Imperium, mais en tout cas, nous, pour l'instant, le recrutement est stoppé. Maintenant, encore une fois, comme je le dis souvent, si tu as vraiment une bonne expérience du PvE HL et que tu connais très bien ton perso et que voilà, enfin et que tu fais une bonne apply, il n'y a pas de raison. Regarde, moi j'ai même pas fait d'apply, mais en fait t'es tellement connu, le skill et tout, j'ai été prêt direct dès le level 1. Est-ce que je continue sur mon stream après? Non, malheureusement. Une bouteille d'alcool à boire. Comme ça, ça fait gros alcoolo, hein. Je viens de m'en rendre compte. Bien sûr, c'est à boire avec modération. Modération sera avec vous. Modération. Bonsoir, modération. Bienvenue à la soirée. Allez, enfin. Tatooine. Ouh. En fait, il me semble que toi, en plus. Attends, acolyte, machin. Non, je sais pas. T'es où, Niche? Ah, il t'a mis en acolyte. Sur les autres personnes, en alcoolique. Mais genre invité ou je sais pas trop quoi. Ah bah il a mis Millennium en note d'officier pour toi et note de membre. PGM. PGM. Sur Tatooine en fait ou... J'y arrive. D'accord. Toi tu crois qu'on peut cesser 15 secondes, personne te prend. Mais non. Mais parce que t'es pas 55 et que tu peux pas faire de PVEHL, mon petit m'a dit, sinon ce serait avec plaisir. Mais c'est vrai que la guilde, bah, je suis pas chef de guilde. Donc voilà, et j'ai même pas le pouvoir de recruter en fait. Je demande des faveurs à chaque fois, hein. C'est autre chose. Et oui, pour l'instant, on recrute plus. Ok, Guts, à plus. Ça a été très sympa de t'avoir sur le chat en tout cas. Merci d'être venu. Je suis un dudu contre mon droïde, mais je vais me faire éclater contre ton droïde. Ok, bon, ça va, duel, solliciter un duel. C'est sûr qu'il a stuff avant en plus. Ah non! Merde! Oh le fail! J'ai foutu un bouclier sur son droïde. Et je vous rappelle que Gandbox fait du PvE HL, hein. Oh le gros fail!
En fait, quand ils arrivent pas à tomber un boss, c'est parce qu'en fait, il a mis un boubou sur le boss, quoi. Sur le boss, alors. Et puis il DPS ses alliés. Ah bon, bah, si c'est pas possible, mais c'est pas grave, il y arrive. C'est pas possible qu'il arrête de me faire ça. On va faire des courses de speeder à Tatooine, non? Non, malheureusement. C'est nul. C'est Old Republic, hein, c'est pas... Ah bah j'ai essayé d'interrompre et j'ai pas réussi. Il me fait des résistances aussi. Résistance. Elle résiste au stem, au cut. Bon, t'es quel level toi au fait? Il m'a fait un résistance au bump, je suis level 24. 24 bah, avec 30, 30. Je suis pas sûr. Ouais, c'est mort, je crois. Hein. Il y a trop de balades à faire là. Ça a pris trop de temps. Salut Mugi! A plus! Salut, salut! Oh, Nelda! Ah, oh, mais Nelda il est en face de moi, je dirais. Mais non, ton droïde, rien du tout. Et des résistances! Et regarde, j'ai essayé de le stun, résistance. Pump, résistance. Ah, ouais, il est déjà moins 20 quand même! Eh ouais! Contre un Mabar qui est le meilleur. Attends, tu vas voir, je vais revenir avec mon Merco. Tu vas voir, tu peux prendre ton partenaire si tu veux avec toi quand on fait le duel. Pas de problème. Mince, je peux pas te heal quand t'es en dudu. Eh non. Ouais, non, mais là c'est foutu. Vas-y, achève-moi Nelta Win parce que sinon on va pas y arriver. Mais ce heal, j'arrive pas à le cut, tu vois, donc forcément. Voilà. Bon, voilà. Je crois que t'as morflé d'un coup là. Okay. Oui, GG Nelta Win, GG, très bien. Re Jamo. Allez. Bon bah oui, faut rendre cette quête là. Enfin, ouais, moi je sais toi. Pas toi, mais. Ouais, moi, toi, je... tu la rends. D'accord, salut, allez, je suis très méchant. Ça me dit de monter par là. Moi, c'était en haut. Y'a pas de problème, Nelta Win, bonne OP à toi. Ah non, toi t'es un truc dans le spatioport, ok. Alors, localiser machin bidule chouette. Pardon. Oui. Et fait que tu descendes. Oui, je redescends. Oh. Ouh, c'est loin. Et je me suis dit, je peux sauter. Puis non. T'es souhait. Mais dis donc, tu nous couvres quelque chose, mon petit AD? Bah ouais, j'ai pas eu le temps de couper non, mais le micro, attends. Ça se rafraîchit. Je suis en train de tomber malade, mon grand. Ah ouais, je vais pouvoir me reposer, je vais me mettre en arrêt et tout. Et le tu mec. Vas cliquer. Et du coup, stream toute la journée du Star Wars. Tiens, voir. Peut-être pas quand même, faut pas déconner. Et c'est là que ton boss, en fait, regarde Millennium Lifeplay. Connais cette voix. Heureusement que je suis là pour télé. Alors par contre, je prends cher. Ah, c'est le dindon de la farce qui t'a fait mal, je pense. Ouais, il s'appelle Dindo. Mais attends, j'avais oublié d'invoquer Mako pour ouais, 4 heal. Moi aussi, j'avais oublié de mettre le mien aussi. Allez, on parle au dindon.
choisi le mauvais emploi. Je ne veux plus disputer des Varoniens. Où tirez-vous cette équipe? Un chasseur de villages. Bah, dis donc qu'il est pas dur à convaincre, lui. Ouais. Il le tabassé et il te dit tout ce qu'il sait. Certains chasseurs de primes n'ont aucune conscience. C'est une question de redire. J'ai comparé les maîtres Vibou. C'est à cause de chasseurs pareils qu'on finit par avoir. Mesdames, si tu es su. Quand on essaie de me tuer, c'est toujours personne. Ah, boum. Bah voilà. Ok, Kelden, à toutes. Ciao, Kelden. Je le sentais mal, ce foutu boulot, ouais. T'es un peu sévère, tu trouves pas? Il t'a dit tout ce que tu savais. D'accord. Autant tuer tout le monde? Bah ouais. Ça marche, Kelden. Ouais, bah, repartir. Ouais, hop. Localiser Vebo machin truc. Rebourri. Rebourri, bien mangé. C'est bon. Qu'est-ce que tu as pris de bon? C'est madame qui a fait la cuisine, non, je suis sûr que c'est pas toi qui a fait la cuisine. Ah, pas de boulot à la rigueur, si, ah, conserve ah, et pas tout. De boulot. Confiance, toi, dans les capacités culinaires de Burinata. Ouais, pas de boulot, c'est pas dur, quoi. Hop, participer. Allez, la barre espace c'est notre ami, on va les prendre rapidement. C'est pas moi. Vous êtes la plupart de l'autre, si vous comptez rester. Merci. Oh non. Je vais dire imbécile. Eh, hey, c'est lui qui cuisine. Allez hop, lieutenant Trasson. Allez hop. Excellence, ça vous dirait que les bandits sont... S'il y a une récompense... Une récompense, j'en suis. Je sers de prime. Hein. Ah bah oui. Ils ne poseront aucun problème. Allez hop. Ah, j'ai une belle chaussure jaune. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ma belle robe. Hop. Tac tac tac. On va à la cantina pour toi à côté. Cantina pour moi. Ouais, je voulais okay. Qu'il faut aller dans la cantina donc. C'est et le plus c'est, proche. C'est bien, ça te permettre de prendre comment dire, le point de reste de la cantina. Ouais. Ah ouais, moi non, moi j'ai une quête là, la phase de groupe là machin. Ouais, bon bah. Il va falloir défoncer quelque chose. Encore une fois. Ah non, pas du tout. On peut pas tuer? Oh, c'est pas drôle. Si il choisit l'Empire, c'est pour tuer les gens. Hein. Ouais, à la fin, on termine toujours par les tuer. Hein. Trêve de bavardage, comme dit mon perso. Allez. C'est une blague. C'était le frère de Kuhab. L'Empire a Zerka détruit un mois quelque part. Mon équipe. Je te laisse deviner ce que j'ai répondu. Je trouve ça louche. Non. Je m'en emparer. Si vous payez, c'est bon. Si c'est rémunéré. Ah oui, moi j'avais pas ça. Ça c'est un truc seulement de BH. Je me souviens que j'arrêtais pas de dire ça. Et c'est vrai que parfois, en fait, ils donnent un peu plus de crédit que ce qu'ils te donneraient d'habitude. Parce que t'as demandé une plus grosse récompense. Mais franchement, au lieu de gagner 200 crédits, tu en gagnes 250. Bon, tu vois.
pas terrible. C'est bien d'avoir le speed, mais si c'est pour aller dans les murs, c'est pas la peine. J'étais sûr que t'allais faire une remarque. Ah oui, tiens, il y a ça à faire aussi, c'est les produits explosifs ou je sais pas quoi, il faut faire quoi? Ouais, il faut récupérer des produits explosifs. Ok, je peux les récupérer aussi, quoi. Personne suspecte. Hop. Ouais, disons à l'intérieur. Déverrouillage ouais, du machin. Oh, sacré cantina. Salut Reg, comment ça va? Oui, je me mets debout sur le bar. Ça dépendra de vous. Arrêtez de me mentir, lancez un éclair. Salut. Ah, je veux voir l'éclair. Ah oui, voilà. Parlez maintenant. Regarde. T'es en train de montrer tes fesses et tu es en train de se faire électrocuter, c'est sympa. Non, je danse avec Mako. Ouais. Eh, hey, un shot de tequila, c'est bon. Ah, quelle party girl. Ah, faut que j'aille aussi là. Par où? Et faut aller en dessous puis revenir, voilà, hop là. Non, je sais pas où. Je sais pas où c'est que je suis parti moi. Non, c'est pas par là, mais sérieux. Bon, je ressors. J'en ressors. C'est quoi cette cantina? C'est un labyrinthe. C'est par où? Voilà. C'est par la sortie. Il reste que 10 minutes. C'est donc, bête, 10 minutes, on n'a pas le temps de faire PVP quoi. C'est dommage. Ah, c'est dommage. C'est ballot. Bah écoute, on va essayer de prendre les explosifs et trouver les codes de communication. Ah oui, tiens, voilà, bah, baril. Vagabond, je crois. Il y a un baril de nouveau là, produit explosif. Celui qu'on avait déjà pris. Pourquoi tu m'as kill? C'est pas moi. C'est Mako. Pourquoi hein. C'est le Mako? Voilà. Ah oui, ça réapparaît les barils. En effet. Alors. Bon, c'est dans cette zone apparemment. Bah si tu vois un des trucs, tu me dis. Ouais. Bon, là déjà y'a un type à aller buter. Y'a un bidon à gauche après. La vidéo à gauche ouais. Ah ouais. Bien vu. Voilà. Attends, faut ramasser sur les mobs aussi. Ah oui, c'est vrai. Un sur 5. Ah, on avait pas ramassé déjà. Ça devait être autre chose qu'on a ramassé, je sais pas. Parce que, ouais, c'est bizarre. 3 sur 4. Ouais, pareil. Bah, autant utiliser le speeder en fait. Y a pas un truc dans les maisons, j'ai un vague souvenir que dans les maisons il y avait aussi des annonces ambitantes. Là j'ai un bidon. Qu'est-ce que tu bois là? Qu'est-ce que tu bois doudou dedans? Voilà. Parfait. Et il faut tuer d'autres clodos, bon. C'est ça? Ouais, ah ouais. Et rue malfamée.
C'est discriminatoire, hein, qu'on tue les clodos, quoi. Les pauvres, ils ont déjà pas de chance, quoi. Police nationale, vous avez vos papiers ? C'est un peu méchant, ce qu'on fait. Là, il y en a sur la plaza, apparemment. Il y en a un qui est déjà en train d'en tuer, hein. Bon. Avec le dos, ici. Bah ça met du temps. Banquier impérial, ok. Et Clodo. Coucou. On est des amis. Ah, j'ai dit test c'est quête, tu dois chercher pendant 3 quarts d'heure les mobs à tuer, quoi. Ouais, ça me gonfle aussi. Bonne soirée, Wolves. Ciao. Ah, tiens, agent infiltré de l'échange. Truc de communication, ok, il y a les trucs de communication et il y a les... ok. J'ai l'impression qu'il y avait un truc ici. Ouais. Bon, ça me saoule là. Bon, ils sont cachés où là? Quartier médical. Ah, je sais pas, non. En fait, les rues sont pas si mal famées que ça. Mais oui, t'es parti à perpète, ok. Bah écoute, on se sépare. On couvrira plus de terrain comme ça. Rue de sécurité. Non. Bien ce quartier du coup. Battre le dos à taper. Bon. C'est qui sont cachés? Vagabond louche ici. Rien. Attends que je m'en rapproche de toi. Ça ouais. Va pas la porter sinon. Ah il est 55 en plus, je pense qu'on aura même pas le temps de terminer celle-là. Je sais même pas où tu es. Oh la vache, t'étais loin en plus. Ouais. Bah, je suis au niveau de. Ouais, de là où on était au départ, quoi. C'est même qui repop apparemment. Ok, je suis là. Oh, j'ai rien à ramasser dessus. Oh. Le truc abusé. Oh là là. Ah oh là, y'a un vagabond. Oh, il m'a pas donné l'item quoi. C'est quoi cette arnaque? Bon. On laisse tomber cette quête et on passe au prochain. Ouais, bah, de toute façon, là, à mon avis, on va ouais, se retirer vers la cantina hein. Et puis. Exact. La cantina. Salut Sovic, bienvenue sur le live. Salut Sovic. Heureusement, t'arrives un peu à la fin. À la fin pour nous, tu es peut-être là ouais, pour Bourri, l'adore. C'est pour Bourri, c'est un de. D'accord. Un des fanboys de Bourri. Dit comme ça. Allez, la cantina.
où je sens que tu vas nous faire une chorégraphie de cinglé. Ah mais oui, grave. Grave. En plus, tu as le slash dance pour danser, mais est-ce que tu as déjà essayé le montrer l'exemple? Donc pour montrer l'exemple, tu vas dans les trucs de sociabilité, tu vois. La sociabilité, il y a montrer l'exemple, il est, on va dire, à deux tiers en bas. C'est où le truc sociabilité hein? Bah tu vois le chat? Ouais. En haut à gauche du chat, t'as une petite icône avec un petit personnage qui fait un coucou. Non. En dessous de l'onglet ah, général. Ah si, ouais ça y est. Voilà, là tu vas dans sociabilité. Et tu vas dans montrer l'exemple, c'est à peu près aux deux tiers en dessous. Montrer l'exemple. Mais bien sûr. Le déhanché. Magnifique. Bon bah il est 58. Ouais, merci 58. À tout le monde de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a exactement. Plu. Exactement. Hein. Bah, nous on s'est bien amusé en tout cas. Bien, on bon, a, l'objectif. On a... L'objectif d'arriver 30, bon, voilà, donc on parlait bien sûr de la prochaine fois, hein. Voilà. Voilà, et encore, même pas sûr. Vous aviez bien compris dès le départ. Ok, et eh bien on va vous laisser, merci Adé, à toi. Ben, merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt. Très bien. Et là vous avez bourré la terre juste après, j'espère que vous passerez une très bonne soirée en sa compagnie. Et à plus. Ciao, bye bye.